Ouais, un minerai de charbon pas trop loin. Déjà, on va faire ça. Est-ce que t'as dit bonjour à ton tube? Bonjour ton tube. Bonjour. Voilà, c'est dit. Bonjour, bonjour. Ah. Allô. Au revoir ton tube. Au prochain épisode. Déjà. Alors, c'est le moment où ça devient un film de boule, hein? On est d'accord? C'est-à-dire que maintenant j'ai des tapis MK3. Oh oui! On est d'accord, hein, c'était le projet, car c'est notre projet, tout ça, tout ça. Ici. Oh, j'ai le conteneur industriel. On a le gros conteneur. Hein. À partir de là, on peut vraiment poser une vraie base. Bah, en fait, les trucs EME, je les ramasse même pas tellement ça sert à rien. Bah, pour l'instant, c'est inutile. Ah, et on a le support de pipeline. Ouais, super, on va pouvoir craqueniser encore plus. Sache que pour toi, c'est intéressant. Parce qu'en fait, l'avantage des supports à pipeline, une fois que t'as mis tes bases béton droite, machin, carré, ça te permet d'avoir une linéarité sur l'acheminement de tes fluides. Parce que dans le jeu, quand tu pulses un fluide pour à la pompe, le jeu calcule un reflux. Flux, reflux. Ouais, je sais. Donc si tu veux lui faire prendre des pompes de dingue, en fait, tu crées des problèmes-ception. Si tu mets plus t'es obligé de mettre de pompes, plus en fait, t'es obligé de mettre encore plus de pompes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Est-ce que tu sais comment on fait pour récupérer des... Non, non, je vois totalement ce que tu veux dire. Oui. Mais là, j'ai une limace bloquée dans des espèces de... Un corail de pierre. Ah, dans de la caillasse? Ouais, c'est pas... Alors normalement, là, si je dis pas de bêtises, tu peux fabriquer ce qu'il te manque, c'est-à-dire des nobélisques. Je crois qu'on peut déjà fabriquer des explosifs. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas la... On n'a pas encore la recette? On n'a pas la recette parce qu'on n'a pas... On n'avait pas assez de charbon pour la recherche. Bah, je crois que maintenant on a ce qu'il faut. Attendez, je vais aller voir la recherche. Ah oui, je t'ai laissé un objet aussi extrêmement important puisque tu as plein d'espaces d'inventaire disponibles dans ta main, qui est donc dans ton casier. J'ai oublié de commencer par ça. C'est l'item le plus important de la game. Avant même le décathlon. Plus important que le décathlon. Oh, ça c'est le problème ça. Il renferme tout le pouvoir. Le cogne baston des connards là. Bah, je te laisse aller voir. Eh bien, je viens de détenir le pouvoir. Je viens encore de trouver du charbon. Oh putain, il y en a plein. Oh, il y en a plein. Oh, et c'est du pur. Oh, c'est du pur. Oh. Juste à côté de là où j'étais. T'as trouvé des quantités de charbon pur monstrueuses? Oui, j'ai trouvé ça deux en train de dire. Purs. Deux gisements purs juste à côté de là où j'étais. J'étais deux pas allé chercher plus loin. Oh, le normal, il va décaner en fait. Je vais non, non, bah garde-le, hein. Il est là. Déjà, il nous entretient toutes les usines qui sont là, mais... Non, t'as pas compris comment j'allais faire. Ah, tu vas transporter ce bon char ailleurs. Tu veux dire Non, j'avais déjà remplacé le bon char. Parce que, regarde. Je vais récupérer ça. Faire. Production. Foreuse. Touk. Tapis. Logistique. Ah, j'ai pas les MK3. C'est dommage, j'aurais pu mettre directement MK3. Y a de quoi en faire à la base, hein. Enfin, t'as de quoi, y a de la placasse à prendre, hein. Juste à servir, hein. Et voilà. Oh là. C'est une connerie, là. Tout a l'air d'avoir été MK3isé. Sinon, c'est pas beau. Et le charbon pur, ça dégage. Et du coup... Ah, attends, merde, j'ai oublié de le raccorder. En énergie. Voilà. Et voilà, ça fournit plus de charbon que celui qui était pilé sur du normal.
En 100 piles. Hein. Ah ouais, non, mais les purs, ouais, c'est toujours un film. Hein. Et voilà, et maintenant j'enlève celle qu'il y avait déjà de base. Voilà. Et là, ça envoie à Donf. Bon, alors tu m'as dit qu'il fallait que je passe venir te voir. Non, dans ton coffre. Oui, oui, bah attends, j'arrive. J'arrive. Moi je suis en train de remonter à ton bon char là. Ah ouais, tu vas tout me faire. Oh, j'adore. Ok. Ça veut dire qu'on va avoir un stock de... Ça veut dire que maintenant ça va même plus assez vite. C'est encore des choses. Je ne vais même plus miner assez vite pour que ça soit distribué correctement. J'ai envie de la buter la grosse bestiole, mais elle est tellement gentille. Ah, mais t'as un gisement de charbon là que t'exploites même pas en bas. Ouais, bah je l'emmerde celui-là parce que regarde, il y en a encore un juste à côté là-bas. Oh, ouais, le normal, j'exploiterai après. Okay. Et c'est juste à côté donc j'ai pas manqué. Tu veux que je te laisse peut-être de quoi prendre quelques tapis MK3 là sur toi là j'ai... En vrai, pour le moment, non. Ok, comme tu veux. Parce que j'en ai plein hein, sur moi donc. Oui, oui, non, mais je m'en doute. Moi j'ai littéralement vidé le stock. Ouais, bah, littéralement, c'est pour ça que tu veux construire des trucs, etc. Au moins, t'as de la plaque MK3 vite fait sur toi. Quoi. Voilà, alors normalement, déjà rien que pour la production de charbon, il va y en arriver plus là-bas et on va avoir moins de problèmes. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est que. Je te conseille de prendre quand même ce qui traîne par terre. Merci. Très gentil. Moi, ce que je ferais là, tu vois, c'est. En créer une seconde, enfin une autre encore de, parce qu'on est vraiment ric-rac au niveau du courant. Si tu veux construire autre chose, ça va être compliqué. Même si en consommation brute, on ne consomme que 279 et ça oscille jusqu'à 400 max. Mm-hmm. On a une consommation max de 494 et une production de 506. Ça veut dire qu'on a à peine 12 de marge. C'est pas ouf. On a oui, en termes, tu veux dire de courant de production, ouais, en termes de courant de mégawatts. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Attends, je vais même faire un truc mieux. Mais attends, il m'a validé tous les paliers d'un coup. Non, ah non, ok. Alors, j'ai récupéré une pile, j'ai fait monter à putain, oh, juste une pile, j'ai fait monter à 530. Nous avons le béton armed, le armoré béton. Et au fait, dans le dernier disque dur que tu avais récupéré, il y avait quoi? Tout était là, donc je ne sais plus. Ah, c'était le c'était un truc nul, je crois. Hop, ça s'est coupé. Ah, il faut aller à la prochaine phase maintenant. Il faut aller à la phase 2. Il faut terminer la phase 2, donc il faut faire les plaques intelligentes. J'ai pas MK3isé tout ça, oh, vite. Est-ce que tu comptes MK3isé le quartz? Alors en tout cas là je suis en train de faire déjà la partie oui quartz et cuivre qui sont à la base. Alors je te le déconseille pour le quartz, ça va te coûter beaucoup trop cher pour le moment. C'est très loin. Si je te dis 1,7 km. Ça peut se faire hein. J'ai fait combien de mètres là pour t'alimenter toi? 600 mètres. Moi ouais, j'ai de quoi le faire. Ok, tu veux que je te rende les trucs? Quand je te dis que je... non non, quand je te dis que je produis de la plaque, je produis de la plaque. Hein. J'ai deux usines qui produisent de la plaque. Ah, je produis de la plaque. Ah hein. Moi je savais que j'allais devoir claquer... Non non mais attends. Pour te donner une idée, je viens de récupérer les... Oui. Je viens de voir l'item, oui, important. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, rien. Où es-tu? Attends, je vais me remettre là où j'étais en train d'admirer la vue. Bouge pas. Allure. Tac 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 tac. Voilà. Allez, admirons la vue. C'est bon, t'as récupéré l'objet dans ton coffre? Oh oui, il a récupéré l'objet dans son coffre. Alors, on kiffe son gaming. Comme Jaja. Je fais ça alors que j'ai jamais bu de café de ma vie. Hein. Voilà. Ouais, bah tu peux dire aussi que c'est un chocolat chaud. Hein. Vu la couleur qu'il a, hein, il a une couleur de mochaccino. Hein. Ou chocolat chaud, ce que tu veux. Le chocolat chaud, par contre, ça j'adore. Et j'emmerde tous ceux qui me disent, qui me font le débat entre thé et café, j'en fais chocolat chaud. Voilà. Je suis un gosse, hein. Je suis un putain de gosse. Donc, ouais, ça nous a coûté 2 tickets, mais c'était pour les objets les plus importants du jeu. D'ivoire, est-ce que j'ai les. J'ai envie de dire santé à toi. Okay. Santé. Attends. Je peux même pas le tendre. Oh, il y a une physique dans la tasse! Il y a quoi? Il y a une physique dans la tasse! Oh! Bien sûr! Oh! J'aime ce jeu. Est-ce que t'as MK3IZ? Il y a vraiment que dans ce jeu là où on dit MK3IZ, les containers. Ah non, pour l'instant, les conteneurs sont les conteneurs. Pas les conteneurs. Les convoyeurs verticaux. Oui. Okay. Oui, bien sûr. Sauf un. D'ailleurs, tu m'y fais penser. Voilà, c'est bon, c'est fait. Merci. Et on envoie quoi ici? Ça va tellement vite que je sais. C'est cela que j'ai pas fait. En fait, les tapis maintenant vont tellement vite dans le broyeur que je sais même pas ce qu'on envoie dans les broyeurs. Ah, c'est des. On envoie des plaques d'acier. On envoie des plaques de fer en bas. Bah oui, parce que c'est parce que là tout à l'heure, quand j'étais en train de te dire, je viens de remplacer tout en MK3. Parce qu'en plus, ce qui est bien aussi le MK3, c'est que ça coûte moins en termes de matière pour faire des tapis que les plus petites tailles. C'est-à-dire que j'ai balancé, bah t'as vu en plaques dedans, plus d'un millier de plaques, enfin un millier de plaques à peu près. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, là, les plaques, littéralement, le conteneur, c'est pour ça que là, tu vois, en électricité, on va plus avoir de besoin. Parce que ça y est, à moins que tu aies besoin massivement de plaques de fer renforcées, sinon l'usine de fer l'assembleuse de fer renforcée, elle est à l'arrêt. Ah bah, on va en avoir besoin, mec. Mais on va peut-être convertir tout le fer renforcé et les rotors en plaques intelligentes. Parce que là, il va falloir qu'on finisse la phase de. Je sais pas ce qu'il y a comme jalon. Ah bah là, ça veut dire que littéralement, là, tu peux brancher le bout là, de ce conteneur et récupérer tout ce que tu veux. Même d'ailleurs des plaques de fer en rap si tu voulais avant qu'elles disparaissent toutes. Il y a les vis, c'est blindé. Il y a une stack de 500 de vis bloquées dans la truc. Oui, après, bah oui, tout est plein. Mais en même temps, vis, je te rappelle que maintenant j'en produis beaucoup. Et que mon problème, c'était depuis un sacré moment, mon problème avec les vis, c'était de les sortir du stock. Enfin, c'était de l'amener jusqu'aux machines, je produisais trop vite. J'ai dû dépiler la machine, hein, tellement je produisais trop vite. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Il y a un jalon qui peut être intéressant. De quoi? Sur la phase 3? Sur la phase 4. La phase 4? Ah, ok. Ouais. Ah oui, je me doute, mais bon, moi je vais d'abord boucler toute la phase 3, puisque j'ai quasiment acheté tous les jalons, je suis en train de faire justement la poudre. Phase 3, c'est fait. Dans la phase 4? Non, non, phase 3, en fait, phase 3, t'as des jalons qui sont pas validés. Si, phase 3. Non. Palier 3, c'est tout validé, hein. Ben non, en fait. En fait, les ressources sont mises dedans, mais elles sont pas envoyées. Ah, d'accord. J'en ai validé. C'est pour ça que c'est un peu traître. Je peux même te dire lesquels ne sont pas, parce que moi, je vois la différence. Vu que c'est moi qui l'ai bourré, je vois les trucs qui clochent. Ah non, t'as raison, phase 3, j'ai tout bouclé. Bah, le ah phase non, 4, non, on a tout bouclé, non, c'est phase 4, excuse-moi. Phase 4, pour te répondre, corps à corps amélioré, il n'y a plus qu'à cliquer pour envoyer. Hein. Et hypertube, là, dans... Excuse-moi, non, attends. Voilà, 2, 3, 2, 1... Ah, c'est bon, j'ai les 50 poutres qui manquaient dedans. Et attends, tu vas vraiment faire l'hypertube aussi? J'ai tout fait, ça me coûtait rien. Je l'ai fait moi l'hypertube, ça me coûtait R. Attends. En plus l'hypertube c'est super bien en plus, en vrai. Tu viens d'envoyer la capsule là? Ouais.
Retour de la capsule dans 2 minutes 44, j'ai. Oui, ouais, alors il y a des petits bugs. D'ailleurs, je me rappelle que si je cliquais assez vite, en fait, si je pré-shotais les marchandises dedans, je pouvais exploiter un bug qui me permettait d'envoyer par deux les jeux... les déblocages de tech. C'est pas un mal. Petit détail technique, ouais, ça va. Je vais choisir les tremplins. Ouais. Non, mais même pas, on s'en fout, c'est de la. Bon, les couilles, 50 retours, mec, j'en ai trop. Non, on en a pas trop, faut faire des trucs alors. Actifs. Moi, pour être très précis, effectivement, je n'ai jamais assez de rotors. Parce que même quand j'ai mes stockages de rotors qui sont pleins, je les démonte, je leur démonte leur race, et je les jette à la poubelle. Et je me fais du fric dessus. Parce que c'est une marchandise qui vaut bien, qui est intéressante. Ok. Ah, par contre, là, j'ai tout cassé, là, le jeu, il veut plus, là. Le jeu, il m'a dit, ça suffit des conneries. Hein. Moi, il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire, là, à l'heure actuelle. Parce que je vois pas... En quoi je peux me rendre utile? Ah si! Oh! Est-ce que je fais ça? Je vais tenter de faire ça. Ah le. Ça me fait peur. Je pense qu'il va me falloir du béton. Oula. Le béton, c'est moi, tu vas rajouter des machines là. Non! Non, non. Oh. Ah, quoique, oui, je pourrais rajouter un truc pour faire plus vite du béton. Parce que je trouve qu'on va pas assez vite. Bon, j'approuve cela, mais calmez-vous quand même. Mais par contre, j'aurai pas le tampon nécessaire là. Ah, il y a un oublié. Il y a eu deux oubliés là. Ouais, il y a eu trois oubliés. Ah, ouais, est-ce non, il y a eu un oubli ici. Est-ce que tu peux venir vers moi s'il te plaît? Vite fait. Attends, il faut que j'améliore des trucs que j'ai oublié. Mais putain, j'ai vraiment oublié d'améliorer ça. J'ai fait quoi moi? J'ai fait une rétrogradation. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah oui, ça je l'avais pas modernisé. Ok, ouais, tu es ici. Pourquoi il y a une caisse par terre? Est-ce que tu peux ramasser ce qu'il y a dans la caisse s'il te plaît? Si t'as de la place. Ah oui, je peux faire ça. On va aller le mettre dans le broyeur, hein, tout ce qu'il y a là-dedans. Quelqu'un? Non, je le transforme en bait. Parce que j'ai sucé pas mal de baits. Déjà parce qu'il va falloir faire des poutres en acier et que ça va manger du baits. Les poutres. Ah. Parce que bientôt le MK4, hein, le retour. Hein. Déjà, hein. Je sais pas, déjà, ouais. C'est déjà bientôt le MK4. Néanmoins, moi, je suis en train de réfléchir à quelque chose de peut-être plus rentable à ce niveau-là. Niveau ah oui, proto, d'ailleurs, il y avait cette sombre histoire-là que j'avais négligée. Négligeusement, qui était. Félicitations. Tu as. T'as les tremplins. C'est vraiment t'y tenais à fond, quoi. Vraiment. Faut pas. Arrêtez de me bloquer les jalons, là. C'est dégueulasse. Bon. Oui, ton histoire de bon char, là. De boum boum. De on peut pas faire exploser le monde et l'univers. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il fallait du soufre, du cadre modular, il faut tout ça. Est-ce que je peux l'ajouter à la liste? Ah, ça c'est dommage, on peut pas cliquer pour l'ajouter à la liste. Le détonateur et le nobelisque. Donc pour le faire, faut faire de la poudre. Ah oui, d'ailleurs, il nous manquerait pas un petit peu de soufre, nous, dans cette histoire? Si, je suis pas allé chercher le soufre encore. Parce qu'en fait, ce qui nous bride là, c'est le soufre et pas le bon char. Hein. Ah, bah je vais chercher du soufre, t'inquiète. Mais il n'y a pas d'urgence monstrueuse, hein. Et le ME, j'avoue, on le garde dans le stockage, mais on s'en fout en fait. Mais c'est juste vraiment l'avoir sous la main pour débloquer les premières textes. Est-ce que tu as des tubes d'acier, s'il te plaît? Ils sont où exactement? Là où tu vois les plaques qui sortent, là, t'as le conteneur du bas, c'est des plaques, et le conteneur du haut, c'est des tubes. Des tuyaux. Des tuyaux. J'ai récupéré. Ah, mais tu sais, on a le rotor, on a le stator aussi. Il te fallait pas un stator en nez pour débloquer un. Bah, si, mais je sais plus du tout, c'est. Une machina. Mais je me demande si c'est pas celle qui est à côté du bon char. Je crois si. Non, celle d'à côté du bon char, c'est pas elle. Ok, j'en suis sûr. J'ai déjà récupéré. On l'avait débloqué la capsule de là où je t'ai demandé de venir défoncer les deux Diablos, les deux gros Diablos. On a tiré une plateforme en béton pour y aller. Ah, c'était peut-être celui-là justement. Peut-être celui-là, hein. Ah, pour récupérer les petits disques durs, là. Moi, je dis pas non.
Ouais, moi non plus je sais pas non. Les petits ordinateurs quantiques. Toujours rigolo, les ordinateurs quantiques. Vite là-bas. C'est bien. Logistique. C'est que la première chose que. Première question que je me pose dans ce jeu quand j'y joue, c'est savoir s'il y a eu vraiment une vraie étude du son dans ce jeu. Parce que vu que tous les bruits en fait qu'il y a dans ce jeu, s'ils étaient pas agréables, ça te détruirait les oreilles. Et en fait tous les sons sont relativement agréables. Relativement chill, je dirais même. Ouais, mais je veux dire, tous les bruits d'usine, même, je veux dire, sont très supportables. Alors que normalement, techniquement, ça nous casserait les oreilles très très vite. Ouais. Voilà! Oh, il y a même encore un truc de calcaire normal à côté. Bon! Ah, du calcaire, on en a partout. C'est comme le fer. J'ai légèrement amélioré notre capacité de stockage de béton. Et de production de béton aussi. Genre de 200%. J'ai augmenté ça. En gros, j'ai rajouté deux constructeurs. Je pourrais même en faire des caisses et en rajouter un quatrième. Si je me sentais d'attaque. Je vais pas faire ça. Moi je te sens d'attaque. En fait, hein. en fait le truc qui est drôle, qui est très drôle, c'est que le calcaire part trop vite par rapport à ce qu'il est miné. Ok. Oui, il mine pas assez vite. C'est ça, ouais. Donc il faut vraiment que je trouve des piles. Mais d'abord, il faut trouver du soufre. Ouais, il te sort 120 calcaires par minute quand même. Hein. Ouais, 120 calcaires par minute. Et de toute façon, c'est largement suffisant. Vous savez, t'as déjà une de tes machines qui surempile. Mm-hmm. Attends, lui il est au max, hein, c'est ça. 45, 90, eh ben, 135 par minute. Ils en consomment 135 par minute et tu en bouffes. Et tu en sors 120 par minute. Ah non, techniquement ça devrait décompiler. Ouais. Techniquement. Et ben il y a deux stockages. Non ça. Ouais, parce qu'il y en avait déjà un et j'avais pas la place de récupérer tout le béton. T'avais pas envie de le démonter, ouais, je comprends. C'est ça, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait des sorties pour pouvoir faire du armoré de bétonnasse. Hein. Oui, c'est pour ça aussi que je l'ai. Parce que je te rappelle qu'en plus les deux tapis passent à côté, les deux. En fait, c'est ton conteneur qui gêne presque, j'ai envie de dire. Ah, non, pour l'instant, il gêne pas pour l'instant. Mais presque. Alors, on pourrait presque en construire un ici, tu vois, entre les deux, vraiment. Il va falloir que je prenne ta plateforme. Et je crois qu'on va avoir un souci, le gisement de soufre est dans du poison. Non, mais c'est pas très. Enfin, laisse-le pour l'instant. Moi, je crois que j'ai assez de soufre pour en trouver. Mais si on veut vraiment ces techs-là, côté soufre, ouais, à un moment donné, il va falloir en sortir. Mais genre là, production d'énergie, ouais, il faut que je sorte 50 cadres modulaires et 100 machin. Oui, par contre, oui, j'étais en train de me dire, ça, on a tout ça à l'arrêt. Mais depuis tout à l'heure, je me suis fait 30 fois la réflexion de. Ah, en fait, on pourrait produire des cadres modulaires. Et on peut. Pas fait, évidemment. On peut faire beaucoup de choses. Surtout que je crois que t'as pris une nouvelle recette pour le cadre modulaire. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, t'as pas pris les foreuses avec toi. C'est dommage. Non, bah oui, je suis con. C'est dommage. Je suis très con. Je suis très con. Mais ce que je sais où les mettre pour pas que tu les oublies, je vais les mettre dans ton inventaire. Merci. Dans ta boîte. Plouk. Plouk. Donc ouais, il faut que je fabrique des cadres modulaires à la main. Je devrais avoir ce qu'il faut, je pense. Oh, c'est de la puterie. Ah, alors le carrément. Truc de soufre est vraiment pas loin.
pas assez de tiges, moi. C'est beau, ça. Je peux avoir des tiges, s'il vous plaît. Hop là. Avoir des tiges, s'il vous plaît. Ah, merci. Eh, c'est pas MK3, ça. Oh, il a fait une petite V-skin de MK3, lui. Sûr, hein. Je reprends plus, monsieur, hein. On dit MK3iser tout le monde, hein. Ouah, lui aussi. Taux de dissidence, quoi. Attention, je vous ai à l'œil, hein. Y'en a un de vous qui redescend MK, je pète un plomb. Je désosse tout. C'est comme si c'était les tapis qui décidaient. Le mec, il devient fou. Et là, j'ai dit, il me fallait 50 cadres modulaires. Oh, c'est... Non, c'est chiant, mais bon, ça se fait. Ça se fait ton tube, hein. En vrai, vu que c'est chiant à faire 54 modulaires, est-ce que j'en profiterai pas pour me faire un café? Putain de merde, je peux même pas descendre. Ça c'est moche. Ah, oh, fait chier, il y a du poison. Est-ce qu'on peut se faire les masques à gaz? Pas encore. Chut. C'est une tech, ça se trouve. Bonsoir. Yeah, boy. Ça va? Ouais, tiens, le stator. Bonjour à ton tube, toi, au lieu de déranger les gens là. On a trouvé le stator. Oh. Oui, il faut le stator. Ah, t'as trouvé? Bonjour. Ouais, bah en fait c'est celui à côté de la base que tu voulais faire. Celui à côté de la base que... Oui, celui donc là on a dégommé les deux gros diablomanes quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est là où il faut un stator. Et du courant je crois. Courant il est déjà mis installé le truc okay. De bien. Yes. Voilà. Car... Et tu fais pas attention au petit escalier que j'ai posé. C'est pour aller chercher le soufre. Il est juste en bas en fait. Ce sera pour plus tard. Et moi, je voulais commencer. Oui, tu. Qu'est-ce qu'il y a, Saru? Tu me disais? J'allais poser une question à Knarf. Ouais, voilà. Il faut des cadres modulaires. Est-ce que tu as pu regarder l'épisode de Game of Thrones? Il est parti. Ouais, ouais, je suis allé faire un café, donc on va lancer. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. T'as pas dit bonjour à ton tube, hein. Ah bonsoir ton tube. Oh bah je vais pas vous déranger plus. De quoi? Non, non, t'inquiète. Tu déranges pas, je pense pas. Cadre modular. Ah non, non, allez, on s'en fout, ça lance. Satisfactory. Au contraire, ça fait de l'animation si jamais un jour quelqu'un regarde sur YouTube, c'est bien. Que moi tu tapes des cadres modulaires et qu'arrête de taper des cadres modulaires. Ah oui, je suis en train de faire mon café. Attendez. Attendez, que moi, ça bouge, j'interromps mon café pour pouvoir vous faire. Vraiment, vous êtes gâtés. Oh là 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 là. Crah, il nous fait des petites gâteries. T'as retrouvé Nelly, bien sûr. Non, malheureusement, ça sera la deuxième boîte. Par contre, il a peint. Ça sera la deuxième boîte alors que t'as toujours pas fini de peindre la première. Je l'ai forcé à peindre ce couillon. Tu l'as forcé à peindre? Ouais. Oh là là. De toute façon, ouais, il va falloir que tu fasses pas un stage parisien, là, même si financièrement je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Ah, tu sais, je participe aussi, hein, vu que je. Tiens, au fait, question bête. Moi, ils ont annoncé qu'il y avait une pénurie dans ma région, enfin. Est-ce que toi, c'est le même cas, Knarf ou pas? Je demande pas à Saru, il s'occupe pas de l'essence. De quoi? Carburant? Ouais. Alors, selon Olivier Véran, non. Il n'y a aucune pénurie dans ma région, pas du tout. Il n'y existe aucune pénurie en France, selon Olivier Véran. Et vous savez très bien qu'il est complotiste de penser ou de dire le contraire. Donc moi, ma station totale, il y avait de la rubalise dessus, mais c'est parce que les pompes SCF qui sont cassées. Et toutes les autres stations de carburant dans la région, elles sont vides. Mais non, c'est parce qu'il y a des fuites dans les cuves, d'accord? Alors ça suffit pour notre X-Men. Ok, ok. Par contre, si quelqu'un jamais entend cette vidéo ou quelque chose comme ça, ça me fait toujours pisser de rire les gens qui sautent sur les pompes parce qu'ils ont besoin de carburant pour travailler. Je comprends très bien. Sauf que moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je roule moins vite et je tryhard l'économie de carburant alors qu'eux continuent à rouler comme des fadas. Alors moi, attends, juste, moi ce qui me fait rire, c'est que ce matin, quand je suis allé faire mon plein,
C'est mon téléphone, ton tube. Non, c'était le mien. Non, parce que j'ai mis le mien en charge en fait, et ton tube l'entend quand je mets le mien en charge. D'accord. Et en fait, j'ai vu un papy mettre 10 euros devant moi. Oui, 10 balles de. 10 euros de sens. Ça m'a saoulé. Bref, 10, j'ai 10 un euros, surtout qu'en plus, tu sais que 10 euros, c'est littéralement 5 litres. Ouais, c'est ça. Bon, à tout à l'heure. Comment ça, tout à l'heure? Il a téléphone. Ah, téléphone. Ah. Gaston. Alors, cet épisode de Game of Roll. Pas vu, pas regardé. En fait, ça ramait trop, je l'avais en basse qualité, c'était chiant. Twitch, c'est de la merde. T'étais sur le téléphone? Ou un truc non, comme ça? Non, j'étais sur mon PC. Ouais. Ah ouais. Non, j'ai attendu de. En plus, l'épisode avait déjà commencé. Donc, je me suis dit, oh, c'est chiant, ça me fait rater tout partie de l'épisode. Je sais pas trop, tu vois ce qui s'est passé. Toute la mise en place du scénario, vu que c'est la nouvelle saison. Ouais, c'est ça. C'est la saison 7, épisode 1. Donc, je me suis dit, Osef, je regarderai ça tranquillement une autre fois. La rediff quoi, sur ton tube. Ouais, c'est ça, la bonne grosse rediff. Ah, c'est 500 plaques ça. Ah, oh, bah attends, je vais payer ça, ma gueule. J'ai pensé à toi quand je suis tombé sur le live. Donc, je me suis dit, ça te fera plaisir de. Ah, ouais, moi ça me fait grave plaisir de les revoir. De voir tonton MV. C'est excellent, hein. c'est vraiment cool comme truc. Il me faut des barquettes. Des barquettes. Je sais que c'est un truc que t'aimes bien, donc je vais envoyer. J'aime un petit peu le jeu de rôle à ce qui paraît. Un peu. D'après la légende. Ah, c'est le retour de la capsule. Comme c'est le retour de la capsule. Donc. Ça c'est fait, est-ce qu'on peut faire des capsules à la con? Yes. Capsule de données organiques. Touk. Je sais pas si t'as dit chichi, mais on a bien kické sur Divinity 2. Bah en fait je vous vois le soir, c'est pour ça qu'hier je lui ai envoyé un message pour que tu répondes au mien là. Parce que. Alors Discord, ouais. Discord bug de ouf. C'est-à-dire que pour moi en fait il y avait bien. En fait pour moi il y avait bel et bien écrit que t'avais voté demain. Ok. Ouais. Mais en fait, le nombre de scores additionnés, on n'était pas à 4, on était à 3. Donc ça voulait dire qu'il y en avait un de nous qui n'avait pas voté dedans. Alors que toi, c'était affiché, et pourtant le MJ Breton, il l'a fait en direct. Il a fait, regarde, je valide. Ouais, je voyais bien le compteur qui bougeait. Mais il voulait pas m'afficher que lui, il avait mis un pouce en l'air dedans. Ah oui. Je comprends plus rien. Par contre, on n'a plus de nouvelles de Yoka. C'est normal. Moi, j'ai des nouvelles. C'est que... Ah, je sais qu'il a perdu son PC. Voilà. Donc la mauvaise nouvelle c'est que nous avons plus un Yoka, la bonne nouvelle c'est que vous avez 4 personnes de moins à nourrir. Vous venez d'économiser la moitié de votre groupe avec un seul mec qui s'en va. Vraiment. Et en termes de repas, votre équipe vient de se réduire de moitié. Non mais attends, la question qu'il va se poser c'est comment on va... Qu'est-ce que vous allez foutre de toute cette viande? Ah maintenant on a l'air con. Oh puis merde. C'est un peu ça quoi. Bon bah s'il faut tout manger, Tu vas avoir un rat, ça va le rat, bah tu vas être un rat ogre. Mais je pense que tu seras surtout un ogre d'origine rat à la fin. C'est un genre juste énorme. J'approuve si je suis un ogre. J'aime bien les ogres. Un petit vestige du chaos. Oh là là. Oh, le vestige du chaos. Il fallait faire un Rotor, Protor, Megastator. Mais en fait, je l'ai fait. Non, je peux pas faire ça là-haut parce que je crois que pour faire mon Rotor, Protor, Megastator, il faut un. Il faut du cuivre. Je crois qu'il me faut ça. Oh, les décathlons, c'est tellement la life. Tac. Le Stator. Non, il faut juste des tuyaux. Bah vas-y, hein. Go bro, on voit les tuyaux. Hein. Les tuyaux. Voilà, on fait, Si je me trompe pas, on avait déjà parlé de Divinity avant que Shinai m'en reparle. Oui. On en avait parlé, je crois, à un moment. Bah, je l'avais vu en bout. Faut dire. Ouais. Par contre, c'est moi où ils ont mis à jour. Ils viennent juste de mettre à jour Steam. Ouais, j'ai une mise à jour Steam. Hein.
Ouais, ça a changé le menu, on est d'accord, de connexion. Ouais, ouais, c'est probable, hein. C'est probabilis. Ah, crédibilis. À quand un épisode sur For Honor? Voilà, pas moi. J'ai pas le jeu, j'en veux pas. Pourtant, une crédibilis, ça vient de là-bas, hein. Oui, mais en plus, le jeu est stylé, hein. Mais comme beaucoup de jeux que je trouve très stylés, genre, ouais. Il y a énormément de jeux de speedrunners qui sont que des jeux tout en vitesse, genre à la Sonic et tout, que j'adorais jouer quand j'étais gosse. Aujourd'hui, ouais. J'adore regarder ça. Ça me scotche les yeux ouverts, j'oublie même de cligner des yeux, ça me donne mal au crâne. Mais je sais que je suis trop vieux pour jouer à ça, j'ai aucun réflexe, j'ai aucun rythme. Je suis un vieux monsieur, quoi. À un moment donné, il faut que j'accepte de mourir aussi, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais non, tu peux. Donc, voilà. Il y a des jeux comme ça. C'est bien quand c'est les autres qui y jouent, quoi. Enfin, c'est mieux quand c'est les autres qui y jouent. Pour être exact. Enfin, y a des jeux, c'est vraiment agréable à regarder, en fait. Oui. Douf, douf. Ou satisfaisant. Da, da, da. Ça me fait penser au principe des vidéos. Let's go alimenter. Sur... Des personnes qui se font de la pub sur le fait qu'ils montrent quelque chose de volontairement satisfaisant pour attirer sans que le contenu soit vraiment intéressant, quoi. C'est satisfactory, hein. Satisfactory en théorie, c'est inintéressant. Tu fabriques des usines. Techniquement, c'est vraiment des jeux de débiles, hein. Ouais, mais il y a quand même du farm, quoi, l'aspect farming, tu vois. Oui, mais l'aspect farming, pendant longtemps, c'était vraiment un truc de no life, hein. Je veux dire, pendant... Ouais, toi, t'as toujours connu, évidemment, Minecraft avec un grand succès, mais... moi, j'ai connu Minecraft où les mecs qui jouaient à Minecraft, c'était un peu des débiles, c'est genre... Attends, le seul truc que tu peux faire dans le jeu, c'est miner du granit, quoi, c'est vraiment ça, hein. J'ai pas connu le tout début. Moi j'ai connu genre la période où c'était déjà célèbre. Où il y a eu le désert. C'était déjà célèbre et c'était déjà admis que c'était le jeu du siècle, quoi, au moins. Faut pas dire du millénaire. Mais moi j'ai connu une époque où bah littéralement dans le jeu tu pouvais que miner, te battre contre trois monstres à la con. Terminé. Les gens te regardaient et te disaient mais tu joues vraiment à cette merde carrée là. Résultat, c'est devenu le meilleur jeu du monde. Voilà. Et ce même devant Skyrim Anniversary. Oh, putain, j'ai vu la bande-annonce de Skyrim Anniversary. C'est ce qu'on va en parler. Est-ce qu'on en parle? Je ne l'ai pas vu. Eh bien, regarde-la sur ce que tu veux, Steam, machin, le truc store, ce que tu veux, les Bignou, quoi. Sur Bignou TV. Si tu veux, tu la regardes et on en parle, quoi. Elle est sur... Elle est sur Steam. Tu peux la trouver partout sur ton tube. Mais tu l'as sur Steam et sur le Epic Game Store. Skyrim Anniversary, hein, c'est ça? Ouais, Skyrim Anniversary Edition. Alors, hop, voir la page. Ah, disque dur envoyé à la recherche. Car la recherche avance. Je pense que je vais démonter ça. Je me mute le temps que je regarde la vidéo. Ça marche. Donc je voulais aller par là. Ah, il me fallait un disque dur pour faire ça. Il faut des disques durs pour faire ça. Non mais là t'es où? Rux. Rux. Alors je suis déçu. Je suis énormément déçu. Face de la poudre.
Oui. Parce que je voulais faire quelque chose de tellement stylé. Mais on peut pas. Dommage. Tu Dommage. Voulais faire une gare au top. Ouais. C'est ça. Une gare routière. Et pourquoi on ne peut pas? Bah parce que on n'a pas. Bah la gare routière c'est faite. Est faite. Mais je peux pas faire les. Oh merde. Les véhicules. Les... Bah le véhicule si, mais moi je voulais faire la le train. Le train que c'est. Ah oui, bah c'est bah là c'est la gare routière qu'on a, c'est pas la gare ferroviaire. Ah bah alors je vais virer la gare routière dans ce cas, ça sert à rien. Elle peut servir, mais pour l'instant elle a pas d'utilité immédiate. Pour l'instant je te dis là il faut que je vraiment que je fasse une grande galettasse de bousasse. À partir de laquelle bah, on va tout construire et tout hisser à sa hauteur en fait. Eh ben, je vais t'aider à faire cette galessasse de boussasse. Mais en même temps, car il y a un en même temps, depuis notre cher président de la République, tant étant estimé. Comment ça, on n'a pas la poudre à canon? Comment ça, on peut pas fabriquer de poudre? Non, c'est, pas encore. C'est quoi on cette machine ici? Normalement, si. Attends. Soufre. On peut fabriquer de la poudre à canon. Pourquoi je ne peux pas... Je suis obligé de la faire dans un... Je suis obligé de la faire dans une machine, là? Normalement, non. Attends, c'est dégueulasse, c'est nouveau, ça. Ah non, d'accord, c'est juste qu'elle a changé d'endroit où on peut la fabriquer. Ok, c'est bon. C'est bon, je reste calme. Ils ont changé mes habitudes. Alors... Maintenant tu dois la fabriquer à l'endroit où tu fabriques les munitions. C'était pas le cas avant. Moi par contre, est-ce que je te ferais pas des MK2 en foreuse, notamment sur le... Ah bah non, je peux pas, il faut des poutres de métal. Il faut du béton armé. Et le béton armé, est-ce qu'on peut en faire manuellement? Ou le jeu me dit ta gueule? Non, on peut en faire. Mais il faut beaucoup de béton. Ok, je cherchais ça. Ouais. Ah bah là il se remplit le... le conteneur industriel, il se remplit. Mmh. Ah oui, il y avait ça aussi que je pouvais te débloquer, ces bateaux à faire, faut que je te le fasse là. Voilà. Je vais chercher ça là, vas-y charge-moi tout là, de toute façon le reste ça ira à la poubelle. Qu'est-ce que ça... Ah il m'en faut 20. Là il faut que je sorte des nobelisques. Des champignons et des rotors, ça peut être intéressant à faire et surtout très bateau à faire. Les nobelisques je crois qu'on peut les faire maintenant. T'as fait un stator? Un rotor protor méga stator? Ouais. Parce que comme ça on va débloquer le disque dur. Oui, lui c'est, il est dans le MAM le disque dur, je te l'ai dit, ouais. C'est bon. J'ai démonté l'usine et tout. Lui il est dedans, c'est bon. Mais il va me falloir visiblement une dizaine de stator supplémentaires. Qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut, j'ai dit, des trucs comme ça là. Il m'en faut plus. Ah oui, non mais il m'en faut 500, hein. Donc il m'en faut plus. Ok, c'est bon, je suis large. Oui, j'ai dit il m'en faut 500, donc il m'en faut plus là. Toujours plus. Toujours plus. Non, mais arrêtez de fabriquer des câbles. Toujours plus. Allez. Ah, c'est bien. Hop là. Ça sent bobinas. Bobinas, bobinas. Ça sent bobinas, bobinas. Bobino, bobino. Ah oui, il fallait la... Ah, il faut que je fais 50 tech. Il faut que j'arrête de faire 50 tech en même temps, parce qu'après, je sais même plus ce que je fais. Hein. C'est vraiment... C'est ready bit wear. Il devient fou. What je veux dire. What as je veux dire. C'est toi qui fais du... Okay. Et on arrive encore à stocker de la vis, là? On n'a toujours pas débordé. On sort c'est encore des rotors. Non. On a toujours pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai tapé dedans. J'ai tapé 300 rotors quasiment. Okay.
Ok, bon bah, ça continue à vivre sa vie. Hein. C'est pas l'arrêt, ça me dégoûte un peu, mais bon. Bah, tout ça, parce qu'on produit pas d'acier assez vite, c'est ça? Attends, c'est où, c'est ici? Ouais, on produit tellement pas d'acier, hein, c'est l'enfer. Alors, ça devrait être mieux. Le souci maintenant, ça va être les tapis, ils vont pas aller assez vite. Bah, je sais pas, déjà si j'ai un flux continu, normalement ça devrait faire la diff. Hein. Mais là, là c'est une catastrophe. Hein. Sache que c'est une catastrophe. Là, ça devrait aller parce que. Quand t'es obligé d'utiliser le charbon que t'as dans le coffre depuis le début de la game pour pouvoir alimenter les machines, c'est que c'est une catastrophe, mec. Ah ouais, dur. Bah oui. Là, en fait, littéralement, les machines s'arrêtent parce qu'il n'y a pas assez de charbon qui arrive. Il y a assez de fer, mais il n'y a pas de charbon. Alors là, je vais regarder si t'as un flux continu. Donc j'ai mis un petit peu pour faire tampon, mais... Bah, ça... Là, en vrai, les tapis vont pas être assez rapides. Par rapport à ce que je vais envoyer. Pourquoi... Ah, c'est parce que lui c'est du 2. Non, je fais pas gaffe à ce que je fais. Je me disais, c'est bizarre. Ouais. Tiens, je suis content, j'ai une des deux machines qui arrive à empiler, mais non, pas du tout. Et j'ai même plus besoin de piler. Ça y est, tu l'as fait ton amélio là ou pas? Ouais, ouais, ça arrive, ça arrive. Ah, parce que là ça arrive toujours pas. Hein. Ces machines elles vont s'arrêter là. Au secours! Je vais même pouvoir piler une finir de piler tous les générateurs. Enfin, au moins un, rajouter une pile sur le générateur. Oh non. Hop. Oh non, 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 hop. Non, non. On vient de faire un pic sur la production de. Putain, une machine elle s'arrête, au secours. Secours. Vol. Mais c'est déjà envoyé ou pas? Parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être oublié un tapis. Ah bah là, tu peux peut-être avoir oublié un tapis parce que moi ça va. Hein, Ah là, moi j'ai carrément plus rien là, c'est coupé, il y a plus rien qui arrive. Ah non, mais. J'ai plus rien qui arrive en, au QG. Attends, là. attends. Il y a eu une petite coupure parce qu'il a fallu que je le démonte le truc. Ah ouais! Ah oui, donc ça. Ok, je vois la file de charbon qui arrive. C'est bon. Cool! Ok. Ça marche. Pendant ce temps-là, on n'a plus de bon char. Hein. Et je t'ai dit, là, on va avoir un souci de tapis, ils vont pas aller assez vite. Je suis en panique, Shinai. Il n'y a plus de bon char pendant 5 secondes. Je suis dans le noir, en fait. Enfin, non, c'est le contraire. Non, c'est d'un seul coup, on ne pollue plus le ciel. Je vois la lumière. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Un paladin! C'est terrible. Je suis un vampire de charbon. Enfin, un démon de charbon. Un nain, il a vu le ciel, il s'est fait oh là. Mais tu vois ce que je regrette non, dans ce jeu? Puisque le ciel n'existe pas. Moi, ce que je regrette dans ce jeu, c'est que tu ne peux pas faire de base souterraine. Tu ne peux pas casser le sol. On dit que le ciel, c'est un mur bleu. Alors certes. Ah, mais il y a celui-là aussi qui... Eh, vas-y. Hein. Voilà, c'est bon. Il y a celui-là qui quoi? Oh, ça y est, recherche terminée, mam. Let's go. Ah. On va pouvoir faire des choses. Hein. Oh, putain, je l'ai vu sauter tellement loin. Alors... Ah, intéressant. Oh, intéressant. Le stator. Le stator, je crois. Ah ouais, le stator, je pense. Allez, que... hein. Adjugé pendu. Que... Oui, le stator. Oui, non, adjugé pendu. Hein. Stator. Mais c'est vrai que le... Moi, après, celui de droite, en fait, c'était pas trop déconnant, mais bon. Ah, oh, ouais. Je trouve pas ça fou, hein, comme d'habitude. Ah, je trouve pas ça dingue. Vu que c'est fini, ça y est, je peux mettre des recherches. Bon, c'est tout. Moi je vais continuer ton j'ai pas les plaques. Est-ce que t'as des plaques en acier là maintenant tout de suite en oui, quantité j'en ai... oh, oui j'en ai. J'en ai en quantité raisonnable. Ok. Où est-ce que je peux t'en taper? Ah, il y a cette recherche là aussi qu'il faudrait que je fasse. Un truc pareil qui nous mangerait pas grand chose comme temps, mais si ça nous mangerait du fil actif. On a du fil actif sur oui, place on... Sur place oui, on a 1500 dans mon coffre. Ok. Merci. Je vais te le chercher comme ça, t'as pas besoin de te bouger. Tata, de toute façon, il faut que j'aille chercher un tout petit peu plus de plaques en acier parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ouais.
Je crois que j'ai toujours pas ce qu'il faut. Je te le mets à côté du MAM. Tac, 500, c'est bon, j'ai. Ok, merci. Hop. Non, je t'ai mis du fil de fer. Du cuivre aussi. Bon, c'est pas grave, je serai pas perdu, t'inquiète pas. Tiens, le dernier. La dernière stack. Okay. Excellent. Si tu veux, de toute façon, là, je vais aller chercher du bétonnasse. Plus d'inventaire. Ça me fait plaisir. Je vais aller chercher de la bétonnasse. Bétonnasse. Ensuite. Voilà, oh, je viens de taper dedans, ça fait mal. Il y a plus de béton dans le coffre. Plus de béton dans le coffre. Ok. Ouais, j'ai tout pris, je vais continuer ton bétonnage là-haut. Les trucs d'IA. Les trucs d'IA à la con. C'est où? Contrôleur d'IA. Ajoute à la liste. Éditer la liste des tâches. Il m'en faut combien? 50, je crois. Beaucoup de mémoire. Caterium. Café. 50 vital, hein. Donc on va les prendre. Ça, tu verras, c'est quand même fort sympathique comme. On peut éditer directement le chiffre? Oui. Très bien. Excellent. Donc, j'ai le fil actif suffisant. Il me faut plus que les tôles de cuivre. 250 tôles de cuivre. Non. Ils me prennent pour qui eux? Les fondations que tu utilises, c'est quoi, s'il te plaît? Les quoi? Les fondations, c'est de l'architecture, c'est quoi? Fondations, c'est de l'architecture, c'est quoi? Les trucs d'asphalte et compagnie, là, c'est où, exactement? Ah, je peux te dire ça juste après. Ah, c'est dans matériaux, d'accord, pardon. J'ai asphalte, c'est bon, j'ai. Attends, quoi? Tu peux pas en poser directement? Oui, parce que là t'es en matériaux, t'es pas en construction. En fait, dans construction, dans ton menu de construction, sur donc moi A, tu vas dans fondation. Et dans chacune de listes, donc fondation et rampe, ok, tu peux choisir le filtre en haut. Et moi je les ai mis en aucun filtre, comme ça je vois strictement tous les blocs. D'accord, je savais pas ça. Ok, voilà. Oui, bah je viens de voir tous les blocs. Et c'est voilà, partout voilà. Pareil? Non, c'est seulement là-dedans? Après, en fait, toi, l'autre accès par lequel t'es passé, c'est celui qui, moi, m'a permis de les modifier une fois que j'avais posé le béton, tu sais. Mmh. Et là, j'étais obligé de passer par ça, sinon il fallait que je démonte tout pour tout reconstruire. Et en fait, ce qui est vachement bien fait, c'est que tu peux passer par, en gros, le pinceau pour peindre ton asphalte. D'accord. Hein, pour le peindre en asphalte. C'est des fondations d'un mètre, de deux mètres ou de... Un mètre ou deux mètres? De quoi? Moi, celles que j'utilise? Ouais. Ah, ça, c'est les plus fines, hein, celles qui sont sur. Celles qui constituent le plancher et des vaches. Les asphaltes, ça doit être celle-là. C'est. Si je me mets sur 5, il me le dit. C'est 1 mètre. C'est les asphaltes 1 mètre. Let's go! C'est parti. Je fais mes contrôleurs d'IA. Et YouTube trouve ça extrêmement passionnant. YouTube voilà. Trouve toujours ça très passionnant. Mais là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir de là où on est, de l'époque où j'ai envie de dire à laquelle on joue, à part les gares ferroviaires qui vont apparaître et qui peuvent potentiellement modifier notre paysage, mais nous, vu qu'on a décidé de faire une énorme dalle de béton qui va recouvrir le monde, d'asphalte, du coup, grosse galette d'asphalte, on n'en a même pas spécialement besoin du train. On en aura peut-être besoin de nous pour se déplacer après de base en base sur la grande dalle, j'ai envie de dire. Sinon, j'ai l'impression de jouer à Minecraft où je dallais littéralement le monde. En train de daller le monde façon Minecraft. Le dieu de l'asphalte nous a dit au jour de ma naissance, j'ai dallé. J'avais la dalle. J'ai dallé. Et le dieu a asphalté la dalle. Ainsi, la dalle est... Oh, je suis parti un peu loin, je crois. Ah, ça fait mal. Ça, c'est bon, c'est fait. Tac, tac. C'est bien, ça divertit YouTube le temps que je fasse mon truc. C'était parfait. Et là. Ouais, non, mais... Et là, j'ai pas d'acier. C'est bon.
Oh, bonjour toi. J'ai trouvé une violette. Moi, ouais, j'ai trouvé un interrupteur qui va nous permettre de sectoriser entièrement toute notre électricité. Ce qui fait que si jamais on a des coupures violentes et brutales, parce qu'on va passer sur des machines qui seront beaucoup trop gourmandes d'un coup, etc., ou parce qu'on va se retrouver à multiplier notre production, etc., vu qu'on pourra isoler des secteurs entiers, on pourra couper un secteur et remettre tout le reste en fonctionnement. Le temps que. Voilà. Pas mal. Ah merde, j'ai pas pris le bon. Donc en mycélium, distator. Hop. Non mais je veux pas ouvrir le codex. Ah, tu m'as saoulé. Tu m'as cassoulé. Et il me reste du mycélium ? Il me reste du mycélium. Ajouter à la liste des tâches. Hop là. Il en faut 10. Ah, parfait. J'ai déjà du fil électrique. Il manque 30 tuyaux. Oh, mes 30 suffiront, merci. Et hop. Des stators. J'ai peut-être qu'on va fabriquer 11. Ah non, ça m'emmerde, 11. J'en ai en 3 d'un côté. Voilà, fous-moi sa poubelle. Hein ? Ah, il les a absorbés. Oh, le con. J'ai l'impression d'être un gamin qui colorie un... Ça, c'est mort. Ça, c'est mort pour l'instant. Bien que c'est mort, je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'on peut déjà fabriquer de la carte... On peut fabriquer déjà des cartes... cartes mères, là, des cartes graphiques Nvidia, là. Et quoi, les cartes mères, toi ? On peut pas fabriquer pour l'instant, mais... Ok, pour l'instant, on est toujours au contrôleur d'IA. Mais on en a. Après, bon, on a du circuit imprimé. Boum, je vais prendre ça. Oh, le moment, ce moment magique où je fais de la recherche et je vide le fameux coffre. Incroyable. C'est vraiment toujours un grand moment de gaming. Prépare de quoi faire la recherche pour les transformer les larves violettes. Enfin, les électrolimaces violettes. J'en ai une. Attends, t'en as trouvé une ? Ouais. C'est lent ça. Merci. Tac. Voilà. Tac, une de charbon qui est en bas. Je crois qu'il faut que je fasse une protéine. Je sais même plus. Je dois faire une proto, je crois. Mais avant de faire une proto. Ah oui, non, c'est avec ça, ça m'intéresse pas. Ici, j'ai mon usine de... Voilà. C'est pas là-dedans. Dans le nutriment, je crois. Ah non, c'est dans le mycélium. Non, j'ai retrouvé du soufre. Parfait. Oh, et là-bas, il y a une... Oh. Intéressant. Là-bas, il y a une pile. 50 tubes en acier pour débloquer la suite. Un toyo. Je prends ça. 8. Comment ça, trop cher? Ah, il me manque. Ça, c'est con. Voilà, là il y a 25 câbles. Ça. Ok. Et 100 machins. Tac. Ça a l'air de marrer un bac. Ça lui dit être quelque chose, le con. On a dit ça. Je suis bugué sur lui qui était en train de rigoler bêtement. Allez, j'ai oublié.
Ah oui, des cadres modulaires. Il m'en faut 12. Parti. C'est bête, t'es tombé comme une merde. Je n'attends plus que ta limace violette. Bien. Alors j'ai trouvé du soufre, j'ai trouvé 3 autres limaces. Pas des violettes, désolé. Hein. Mais ah non, mais ce sera bien, ça va nous faire des piles. Ouais. Ah, désolé, j'ai trouvé des piles. Je suis vraiment désolé. Ouais, désolé. C'est vraiment tout ce qui nous manquait pas en fait, hein, visiblement. Par contre. Marquette. Braguette. Voilà. Quelqu'un dit braguette. Braguette. Je te. Tu vas sûrement râler. Parce que j'ai un peu étendu la plateforme. Ok, non mais cool en fait. Toujours une bonne idée. J'ai recouvert l'entièreté du dessus du Caeterium et du charbon. Comme ça, on aura les trucs beaucoup plus près. Ah, donc on va pouvoir les hisser. Voilà, je savais que t'avais envie de faire ça. Et donc, du coup, j'ai oublié de t'engueuler. Excuse-moi, faut que je t'engueule. C'est vraiment de la merde. C'est insupportable. Merci. N'est-ce pas? Est-ce que ce monde est sérieux? N'est-ce pas? Tout ça. Mais encore plus que cela. Oui, mais c'est pas tout. Ça va être mal. Bref. La limace. J'ai pas la limace pour l'instant, mais j'ai tout ce qu'il faut pour la limace. Très bien. Ah, pour voilà, limace, c'est bon. Que Ars, tiens, je m'en. Tiens. Et. Et. Ah, on a cool. Plus d'équipement de main, c'est cool ça. Et bah c'est tout, j'ai rien d'autre pour toi, désolé. Pas de soufre ? Du soufre aussi, mais là je suis en train de réfléchir à comment je vais le récupérer. 200. Parce que j'ai aussi tiré la plateforme jusque là-bas. Et je l'ai jamais fait, mais je suis un abruti. J'ai aussi tiré la plateforme jusque là-bas, donc est-ce que j'envoie le soufre ici ou je fais en sorte de l'envoyer là-haut ? Là-bas. Bah techniquement ça, on va finir par tout monter en haut. Est-ce que tu veux bien venir me suivre sur la plateforme? On va aller regarder. Alors, voudrais ton aide. Pas du tout. Voilà. Dommage. J'ai plaisir. Pas du tout. Car figure-toi que je travaille sur le MAM pour nous débloquer un maximum de merdailles. Par contre, maintenant, tu peux scanner tes machins violettes si tu veux. Ah cool, il me faudrait juste un scanner. Voilà. Bah ça serait pas un scanner. Scanner ouais, d'objet. Le truc 50 vis, est là. Je te fais ça tout de suite. Ah bah ok. j'allais le faire. Merde, il le prend je crois. Oui, je le prends. Tac 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 tac. Et si tu peux me faire aussi. Si tu peux me faire aussi deux. J'ai encore des cadres modulaires. Ouais, juste ce qu'il faut. Ah, peut-être pas une foreuse MK2. Fais-moi une foreuse, s'il te plaît. Une foreuse. Une foreuse portable. Pour que j'aille poser une foreuse sur le soufre. Hein. S'il te plaît. T'as plus de foreuse? Il y en avait deux. Ah. Oui, bah pour transformer en MK2, il en faut deux, hein, je te signale. T'en fais une ou deux? Une seule. Je vais pas mettre un MK2 sur le soufre pour le moment. Ok. On est ric-rac niveau courant pour le moment. Oui, puisqu'il va falloir absolument tout moderniser à l'infini. Ce qui va nous gêner en fait, c'est là où en fait il faut vraiment qu'on pense le charbon avant de démonter quoi que ce soit et tout. C'est vraiment la question de où est-ce qu'on va poser les générateurs. Ce qu'il nous faut un long cours d'eau, un très 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 long cours d'eau en fait pour les poser. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait on va amener tout le charbon à chaque fois à un seul et même endroit. Okay, parce que là techniquement en fait t'as MK3 pour te donner une idée. Tiens, j'ai ce que tu m'as demandé, excuse-moi. Merci. Sur ce que tu nous demandes là actuellement. Pourquoi d'ailleurs le scanner on peut l'avoir? Bon bref, un scanner d'objets. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Je le disais. Oui, quand tu vas passer en MK3, la mine, elle va bouffer tout l'espace actuel de ton petit champ d'eau. Hein.
il sera rempli de pompes à eau. Hein. Ah ouais. Et je ouais parce qu'après une foreuse MK3, enfin je sais pas si tu te rappelles l'autre partie sur laquelle j'étais, une foreuse MK3 ça alimente 8 générateurs. Ah 4 ouais. Ou 5, et en 8 ou 12 générateurs d'ailleurs, j'en ai alimenté combien là? J'en sais rien du tout. Je crois que je devais être à 8 générateurs alimentés dont à chaque fois un pilé. Et donc ça représentait 4 ou 5 pompes à eau. Est-ce que tu veux bien quand même venir? Et en termes d'espace, je te laisse deviner que 8 générateurs, tu les rentres pas. Je m'en doute. Est-ce que tu veux bien venir sur la plateforme, s'il te plaît? Parce que là, ça va être un terme logistique. Oui, mais je travaille pour toi, là. Ne vois-tu point tout ce que je débloque pour toi? Je vois tout ce que tu débloques pour moi, mais je vais avoir besoin de ton expertise logistique. Certes, mais dans quelques petits instants après la pub. Genre, je te fais ça, là, vite fait. Oh, on a les voitures. Je viens de débloquer l'accès aux voitures. Balayage des signaux radio. On n'a pas les voitures. Oh, il faut des caps tout de suite. Oh, il faut des caps tout de suite. Oh, tout de suite. Je sais pas ce que tu es en train de faire, mais ça a l'air sexuel ton truc. Faut des caps tout de suite. Oui. Hop là. Tac tac dans le soufre. Voilà monsieur, on a les nobélisques. Et donc maintenant, tu vas pouvoir faire exploser les couilles rochers là. Les rochers couilles. Les trucs qui se dressent quand elles te voient. Quand... Hein. Bit. Quoi? Bit. On allait le chercher celui-là ou pas? Non, parce qu'il y a du poison à côté, on est d'accord. Hein, j'ai plus de... Ah oui, j'ai plus de bon char sur moi. Est-ce qu'il y a du bon char maintenant là-dedans? Est-ce qu'il y a du bon char dans le stockage? Ouais, donne du bon char. J'ai l'impression qu'on est toujours charrette de chez charrette en... De chez Rome charrette. Lol en termes d'humour. Mais pas que. Ah oui, tu m'as donné de quoi faire deux piles aussi. Ah, attends. Deux piles, boum. Boum. Non, est-ce qu'on peut accélérer la croissance de ces machines? Ah mais elles sont à un genou. On sort plus assez de fer. Mais quel enfer. Cette foreuse elle est MK1. Ah tu peux me transformer cette foreuse en MK2? Attends, je suis pas là. Je suis en train de me battre, je suis parti chercher une... Tu te souviens la comment elle s'appelle? La petite limace. Oui, la petite limace qu'on avait vue. Ah non, c'est bon, ça, j'ai pas besoin de filer. Attends, je dis de la merde. Attends, mais il va falloir quand même la passer en MK2, mais je dis de la merde. Bougez pas. Je vais récupérer ça, parce qu'effectivement, il n'y en a pas besoin. Il y a juste besoin de plus de matières premières et pas de piler ça. Par contre, il faut que j'aille piler au bout. Parce que de toute façon, les plaques, on va. Ah, je crois bien qu'on va en sucer à l'infini. Hein. Mais pareil, là ça sert à rien que je mette des piles parce qu'en fait, mettre des piles c'est bien. Mais si, tant que t'as pas toute ta matière qui arrive, tu sais pas si t'as besoin de piles. Tant que t'as des coupures nettes. Ça c'est bon, je te l'ai fait. J'arrête pas de divaguer. Hein. Vague. Hein. Gay. Ça vague. C'est non, sans nobélisque. Les 200, je dois les avoir maintenant les 200. Ils doivent être là-bas. Je dois voir ce qu'il faut là-dedans. 200. J'ai parfait. Peut-être trouvé ta rivière. Ok. Ok. Je t'ai peut-être trouvé de l'espace supplémentaire. Je t'ai trouvé de l'espace supplémentaire. Ouh. Je t'ai trouvé de l'emplacement supplémentaire. Voilà, ça me fait plaisir. Moult emplacement. Le charbon compacté. C'est turbocarburant conditionné. C'est chelou ça. Pas ce que t'es en train de trouver, mais ça a l'air marrant. C'est, en tout cas, c'est chelou. Il faudrait faire 10 nobélisques. 10 nobélisques, 200 machins. 10 nobélisques. 10 nobélisques. Dino. Dinosaure.
Fabriquer des nobélisques, c'est ici que ça va se passer, je suppose. Ta-ta-ta. Si je veux faire des nobélisques, il manque plus que de la poudre. Ouais, vas-y. Mais je vais tomber en rate de soufre. Et là, c'est un drame. Moi, oh, t'écoutes du jazz, toi, là? Oui. Ah, écoute du jazz. Du jazz, ouais. On a besoin de 40 watts. Du fun, du jazz et tout. Du cadre modulaire lourd. Écoute, intéressant, zouk, ça. Le mec. Non, c'était pas ici, c'était dans le mycélium. Ah oui, et les 200 machins. De tout. T'as 100 personnalités que t'écoutes de tout, c'est bizarre quand même. Bah t'as pas vraiment de personnalité à part quand t'écoutes beaucoup trop de choses. D'accord. T'es beaucoup trop multiculturel. Il a donc aucune personnalité, il vient de la prouver. Ok, et donc là maintenant on aura des toxiques. On aura des nobélisques à gaz. Je sais pas pour c'est pour faire chez qui, mais on pourra faire chez quelqu'un avec ça. Ouais. Maintenant, continue à travailler pour Shinai, même si visiblement ça lui déplaît énormément. Ah oui, j'ai oublié de lui filer tes balises. Les balises? Oui. Je peux te filer des balises maintenant. Le détonateur. Il me faut un scanner d'objets supplémentaire. Deux scanners, s'il vous plaît. Oh, je suis pas loin de la map. Putain, encore du calcaire. Il y en a partout du calcaire. Ok, il cogne Xenos. Pour ça, il faut des trucs Xenos débiles de base. Trucs Xenos débiles de base. Ah, il faut du fil de. Mais il faut du filage de cuivre là, ça me saoule. On s'en est passé pendant je sais pas combien de games. Et là, subitement, faut du cuivre. Vous m'emmerdez. Hein. Et file ton cuivre, toi. Vraiment. Je demande bien à quoi ça sert le cuivre. pas ici. Zola. Voilà. D'ailleurs, je vais avoir besoin du fil de, non, de fil de cuivre. Tu fais bien de me le dire. Faut aussi des plaques d'acier, putain. Faut toujours des plaques d'acier. Bon. Est-ce que je peux avoir le mien aussi? Voilà, merci. Super. Repousse Xenos. Alors je vais te filer un cogne Xenos. Tu ne jetteras pas ton repousse Xenos, il faudra me le donner, puisque moi j'aurai rien, d'accord? Okay. Parce qu'en fait il faut deux cognes pour faire... enfin il faut deux repousseurs pour avoir deux cognes. Bref, t'as compris l'idée. T'es au truc... Bah tiens, regarde. Hop. Ah non. Ah oui, putain, en plus je fais de la merde. Tiens, j'ai trouvé ça. Mon cogne Xeno, il est où? Tiens, il est où le mien? Non, c'est un repousse Xenos que t'as pour l'instant. Et il est normalement dans ta main. Ouais, mais je trouve pas mon repousse. Dans ta main, normalement. Non. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu, c'est ça? Ce serait pas dans mon bordel. Ah, mais j'en sais rien, c'est toi de me le dire. Pas mon bordel. Regardez. Très bien. Donc là, si je veux te faire un cogne, pourquoi je peux pas te faire un cogne? Non. Oh putain, ça m'emmerde! Mais alors ça m'emmerde! Mais à un niveau! Oh, ça me fait chier, putain! Eh ben, je sais pas où est le cogne, mon repousse Xeno, mais j'en ai pas. Je peux te filer ma gapine à armature. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète. Non, mais ça sert à rien! Il est bête ce monsieur. Il est pas très intelligent. Hein. Je sais. Eh ben oui. Hein. En fait, moi ce que j'ai besoin, c'est ton cogne Xenos, c'est rien d'autre. Mais c'est pas grave. Garde le cogne Xenos pour le moment. Non, 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 mais c'est bon. T'inquiète, j'ai géré. De toute façon, trop tard, j'en ai transformé. Je sais ce que t'en as fait d'ailleurs du tir. Hein. Ah bon? Il est où? Bah en fait, tu t'en sers pour faire une tyrolienne. Ah oui. Voilà. D'accord. Oui, et comme un con, j'ai regardé la tyrolienne, je fais, ah, je dois le faire, et j'ai transformé le mien aussi en. Ouais. Je fais la même
Mais moi c'était inconscient comme boulette. J'ai précisé. Putain, j'ai failli mourir. Donc t'es en train de dire que lui c'est conscient? Ah bah lui, hein, ouais, c'est en âme et conscience. Boulette. Oui. Donc je vais te fabriquer un tabasse les Xenos. Tabasco. Wouah, eh mais mec t'es vénère toi. Merci. Tu meurs. Par contre, je suis paumé, je sais pas par où je suis parti. Quoi ça ? Oh putain ! Oh putain, oh putain, oh putain. J'ai trouvé du minerai radioactif. Ah. T'en as mis dans tes poches, parce que t'es bête. Non ! Non, non, j'en ai pas mis dans mes poches. J'ai failli me le... Bah, je me suis approché, ça m'a fait des dégâts, donc je me suis fait... Je me suis barré. Très très vite. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas casser le... l'environnement plus que ça. Tu sais, creuser la terre... Ouais, bon, après... Après, s'il faisait ça, il faudrait justifier le fait qu'on pose juste des mines à la surface et que terminé, quoi. Moi, je trouve ça bien, en vrai. On n'est pas à se prendre la tête avec ça. Oui, ça serait cool de pouvoir construire des gros bunkers sous-marins, souterrains et sous-marins. Ce serait très drôle. Non, ce serait drôle. Bah ouais. Mais ce serait drôle, mais dans ce cas-là, il faudrait avoir des grosses machines, parce que c'est pour creuser dès le début du jeu à la main. Pff. Chiant. Ah bah oui, après, t'as des méga foreuses, t'as ce genre de choses... Oui, et c'est ça, il faudrait avoir un gros véhicule foreuse là, net taupe là. Bah ouais, ça pourrait être drôle ça. Mais bon, putain, boulot ça. C'est... Ouais. Ce sont des idées. Des idées, voilà. Et déjà, il faudrait qu'ils améliorent la physique des véhicules. Ou même la programmation des véhicules. Ce qui n'est pas gagné. Bon, j'ai de la bobinasse. Bambina. Oh, faut attendre encore un peu. A cassé quelque chose, je crois. Hein. Non, c'est pas le nôtre, t'inquiète. T'occupe pas. Ah, c'est un réseau séparé, c'est ça? C'est un réseau séparé. Ah, mais oui, c'est vrai que cette fonderie ne produit pas assez. Et ben voilà ce que je vais faire des piles. Allez. Voilà. Puis en fait, j'ai. De par mes aventures. Étrange t'as... et. T'as trouvé un disque dur, quoi. Ouais. Et. Des problèmes aussi. Chet, t'es tombé dans le vide, connard! Généralement, tu trouves même les problèmes avant de trouver le disque dur. Non, j'ai réussi à le trouver après le disque dur pour le moment. Chet, diablo de mes couilles. Par contre, j'ai vraiment trouvé une jolie rivière. De quoi ? J'ai trouvé une jolie rivière. C'est bon ça ? Ouais, c'est cool. En fait, ce jeu incite au papillonnage. Oh fuck. Non, mais je trouve que l'exploration dans ce jeu, ou l'usine. Enfin, tout est très agréable dans ce jeu. Hein. Vraiment, mon jeu du confinement certifié. Hein. Devant Skyrim. J'ai dit les termes. Il a dit... Ah, d'ailleurs, tu l'as vu, Saru, du coup, cette bande-annonce à la con, là? Ouais, j'ai vu, ouais. Stylé. Laquelle? De Skyrim Anniversary. Oh, je les déteste. Ils ont encore sorti une version anniversaire. Ouais, ils sont encore en train de se faire du fric sur un cadavre. Oui, c'est ce que... Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. C'est un peu Skyrim sans trop de... Avec quelques... que j'ajoute si je dis pas de bêtises. C'est ça. Avec les modes de la communauté. Oui, c'est ça. Il a dit les termes. Oh, je sais pas parce que j'ai pas fait tous les modes du... Personne ne peut faire tous les modes du jeu. Personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ça a pas d'intérêt, quoi. Enfin, ça a pas d'intérêt du tout, quoi. Bah, enfin... disons que même le mode de pêche est pourtant... Ah oui, quand je l'ai vu, j'ai fait bâtard.
Je fais là, vous êtes des bâtards quand même. Ils ont là, en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait. Eh, c'est bon, j'ai compris, je serai obligé de l'acheter, mais en promo. Allez vous faire foutre. Mais en promo, je vous emmerde quand même. Voilà. J'ai ma dignité. Est-ce que tu as fini avec le MAM, s'il te plaît? Parce que j'ai des choses à te montrer. Alors, moi j'ai des choses aussi à te donner. Alors, je t'invite à te donner... quand je te rejoigne en haut. Attends, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Je regarde en termes de mycélium. Parce que oui, je fais j'ai encore ça, besoin après... de mycélium. Donc je vais plutôt te faire ça. Parce qu'en vrai, je fais ça et après, j'avais dit à Saru qu'on finissait, qu'on continuait la game de Divinity 2. D'accord. Mais non, quittez pas votre truc, je suis en train de Tiens, il y a plein de très bien à quoi je veux jouer. Un truc que t'as acheté hier. C'est pas vrai, j'ai pas acheté. Je t'ai empilé des merdiers devant moi. Tu peux putain, tu les as empilés devant toi. Je t'avais dit qu'on se rejoignait en haut. Comme ça, je te montre le terme. Je t'ai dit non. Tiens, je vais te faire des fragmentations aussi. Nouveau type de munitions. Qu'est-ce qu'il m'envoie encore? Qui? Non, la marche va être l'autre. Alors, t'es où? T'es... Oh fuck, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors attends, j'en ai encore. Ça. Je crois que j'ai pris un truc en et pot. Et ça. Tiens. Alors. Ça, ça dégage. Ah, tu m'as refait des inhalateurs, ça c'est cool. Je vais pouvoir poser ça. Tiens, j'ai des trucs pour toi aussi. Ça. Ça. Il faut encore du fil de cuivre. Ça, ça peut peut-être te plaire. Ça, ça va partir dans le broyeur. Ça, ça va partir. Ça, ça va partir avec moi. Quoique non, puisque je vais. Dans le broyeur, si c'est transformé ou pas. Je vais te rendre tout ça parce que si je vais, je me bats. Tiens, toi qui fais le MAM, je te le laisse ça aussi. Oh. Allez hop, ça y va direct. Ça y va direct. Les moteurs et compagnie. En fait, je vais mettre le bordel que j'ai dans mon coffre. Comme ça, tu pourras aller regarder ce qu'il y a de temps en temps. Ça te fera peut-être plaisir. Alors des feuilles ça sert à rien, des capsules de données ça sert à rien, des rotor stator je garde, j'en ai besoin de temps en temps, moteur, ouais, non mais j'ai rien d'autre alors, j'ai rien d'autre. Des t'as des munitions dedans. Oui parce que les, je ne comprends pas les dégâts de ces munitions. Bah c'est paralysant. En fait elles font moins, en fait elles font autant de dégâts qu'un repousse xéno au cac. Mais elles étourdissent à 5 secondes. Mais dès que tu les retapes... C'est ça, c'est du paralysant. L'idée c'est de d'éviter de se prendre des attaques dans la tronche. D'accord. Bah, je c'est d'éviter de se prendre des dégâts quand t'as des très gros là qui tapent très fort ou que t'as plein d'ennemis à gérer en même temps. C'est, l'idée c'est de boum, le clouter et arrêter de bouger. Après le problème c'est que vu la cadence de tir du machin, j'ai envie de te dire, c'est un peu osef mais bon. Pour le moment ouais. Voilà. Voilà. Là, ensuite, il va falloir que je mette sur des oscillateurs à cristaux et je me demande s'il faudra pas industrialiser ce truc direct. Parce que c'est tellement chiant et maintenant on va tellement en avoir besoin. Alors, je pense qu'il faudra les industrialiser. Je vais te demander ça avant que je me casse. Alors, attends, est-ce que tu voulais me montrer des choses? Mais je suis arrivé au bout puisque là j'ai fabriqué ce que tu avais besoin. Je vais m'équiper du cogne Xenos aussi. Ah, tu t'en es fait un aussi? Voilà, oui, je m'en suis fait un aussi. Par contre, moi je me suis pas fait d'inhalateur parce que Joseph, je m'en fous. Tes capsules de données, je compile ton merdier. Ça en garde, ça en garde. Oh, j'ai cru que c'était une garde. Tour Eiffel. Ah, il y a une petite clé à molette. Trop ça, bien. On s'en fout. Ça en garde. Ça, on s'en fout. Ça en garde. C'est même pas une clé à molette, c'est une clé anglaise. Je suis con. Ça en garde. Enfin, une clé plate. Ça également. Chose, ça, c'est du cuivre. On n'en parle pas. Tout le reste, poubelle as, parce que j'en ai marre d'avoir des trucs qui traînent sur moi. Ouais, peut-être. Alors, peut-être pas tout. Mais vite, ça vire. C'est oui. Je trouve que cette vue là, elle est magnifique. Macha, oui. Tu peux me rajouter ça et là, s'il te plaît, toute ta vie. Ça attend. Je mets en général la vue que j'ai. Voilà. Saru, je t'invite à aller regarder le général. Bah, je vais aller regarder ça dès que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Tu voulais que je te monte une des foreuses en MK2.
si je ne dis pas de bêtises. Oui. Laquelle? Celle qui envoie bah, du celle fer, qui alimente les... l'acier. En fait, si tu regardes, elle est en galère, regarde. Elle est en galère. Elle n'arrive pas à sortir ce qu'elle doit sortir. Ah, bah tu sais les poutres, les cadres modulaires et les poutres d'acier. Il va falloir me les donner. Cadres modulaires et poutres d'acier. Alors, les bah dans le coffre. Non, non, dans le coffre, dans le coffre. Je jette pas ce genre de matière, t'es fou. Ah non, je croyais que tu les avais gardés sur le coffre. Non, non, dans le... Dans le coffre. Ah, bonjour le chat, tu viens de m'exploser. Elle s'en fout, non, l'esclave. Mon pen. Oula. Mon penta. Ah là là. Oula, ça peut pas. Oula, ça peut plus. Oula. Laisse réagencer ça alors. Ouais, parce qu'en vrai elle est plus grosse. Ouais. Et moi je vais la connecter. Oh putain, t'as aucun. C'est, c'est logistique. Répartiteur de convoyeur. Hop là, 3, hop. Ah, c'est parce que je peux voyager sans faire exprès entre les différents niveaux de tech. C'est rigolo ça. Non. Ah, c'est parce qu'elle descend ça. Énorme. Oh putain. Ça y est, là ça envoie, là ça envoie. Et là il faudra que je repasse pour voir ce qu'il y a besoin de piler. D'ailleurs, t'as de quoi faire des piles. Plus de piles, déjà utilisées. Déjà tout utilisé. Sur le cuivre. Sur le cuivre? Ah ouais. Oh putain, ouais, le minerai de cuir, il... Attends, t'en prends 90, tu le divises par 3, t'en envoies 240, mais le problème, c'est que les tapis n'en envoient que 180. Donc 180 divisé par 3. T'es à perte. Les tapis sont pas assez rapides. Oui, ils sont déjà plus assez rapides. Bah, c'est comme, comme au début, en fait. Là, imagine, en fait, là, les MK3, c'est comme si on était en MK1, et il faudra donc ceux qui se font en poudre de béton. Ah, mais attends. Donc le MK4 pour avoir l'équivalent du MK2. Donc celui qui est censé avoir le bon niveau. Ouais, en fait, piler une fois, t'as à peu près le bon niveau. T'es au-dessus encore, t'es au-dessus parce que si tu le divises, la prod. Là, elle est par 2. Ah non, elle est par 2. Oh, par 2, elle est à 90. Par 3, ouais, t'en envoies 90. Comment non, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit là? Là, on en chie 180. En oui, ça en chie 180. Mais j'en sors 240. Et mes tapis peuvent transporter 240. Du combien? 180 et MK3 c'est 180 et ça consomme non. 90. MK3 transporte jusqu'à 270 ressources par minute. 270 c'est écrit. Hop. En fait, ouvre ton menu, tu vas dessus. 270. C'est lesquels qui confèrent? Ah merde, j'ai confondu. Non, ouais, tu pensais qu'en fait c'était à chaque fois 62 plus. Ouais, mais non, c'est plus du double du précédent. Donc là, en fait, tu vois, de toute façon, tu le regardes quand tu vois sur le tapis. Qui sort de la mine, il est pas plein à craquer. Il est bien plein, mais pas à craquer. Donc il transporte largement ce qu'il peut transporter. Ce qui fait que ça y est, là les mines sont pleines. Donc en fait, on peut les piler plus que ça. Puisque les mines donc peuvent recevoir 270 divisé par 2. Ça fait 135. On pourrait monter à du 135 par minute de consommation de fer. Ouais, et par contre après, est-ce qu'on va pouvoir produire assez? C'est ça la truc. Là, là actuellement on produit pas mal de lingots déjà, c'est pas mal, là. Alors, ça commence à démarrer. Les tiges elles sont complètes, les poutres, ah les poutres, ouais, par contre on produit malgré tout pas assez d'acier. Ouais. Ou alors on en produit assez, mais il faut que j'enlève une machine quoi. C'est bien. Laisse comme ça. Après, je peux en couper une des deux, hein. Ça évite d'avoir des intermittences du spectacle. Non, mais de toute façon, là, on a 50 volts de. Ah, quoique, peut-être ça tient. Hein. Ça dépend celle-ci. Ouais. Si, une fois que les poutres s'est plein, on sera bon. Hein. Ouais, alors je te demande de me rejoindre sur la plateforme, s'il te plaît, pour que je te montre ce que j'ai fait vite fait. Oui, j'arrive. Ah, un petit café. Allez, on est reparti. On n'est pas censé avoir un disque dur aussi qui est prêt? Non, dans 5 minutes. Okay. Peu de choses près, normalement c'est 5 minutes.
Ou peut-être 3 maintenant, je sais plus. Bon, je t'attends en haut de la... Ah bah t'es là. Allez, suis-moi. Non, je ne veux pas les champignons. Écoutez-moi les gars, moi, je vais vous laisser moi. Je pense que je vais profiter de la journée là, vite fait, pour partir redescendre vite fait en centre-ville. Ça va. Okay. Genre, je descends là et puis je reviendrai peut-être... Vers tout. Attends, il y a une limace pas loin alors. Je vais profiter de la belle journée ensoleillée. Ok, bon bah ça roule, bah bonne soirée à toi et à demain. Bah demain, ouais. Demain 10h Ouais, c'est ça, 8h. 10h. C'est ça, c'est ça. Parce que je vois qu'on est majoritaire pour plus. On jouait comme des ouf, je crois. Pour plus de, ouais, c'est ça. Plus de JDR avec Abu. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on peut commencer à 8h. On peut commencer à 8h. Par contre, j'aurais une gueule, je voilà, pense. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, si tu préfères, on fait 10h. Hein. Ouais, sur le 10h, comme ça, t'as le temps de rafraîchir. Oui, et puis de toute façon, je suis pas le seul à avoir besoin de rattraper un peu de sommeil. Donc, on se dit 10h, ouais. Ça marche. Hein, qui a besoin de rattraper de sommeil là? Le MJ de la Bretagne. Ah, ok, d'accord. Bon, je vous dis à. Peut-être à plus. Alors, tard. Il y a une électrolimace à aller récupérer, j'irai après. Et bisous. Et j'ai tiré la plateforme jusqu'à du soufre ici. Jusqu'à du soufre ici. Et il y a une jolie petite rivière un peu plus à l'ouest. Ok. Tu vois? Là-bas, il y a du soufre au bout. Okay. Et un petit peu, tu vois, le mami vient de se finir. Ok. Et là-bas, il y a une petite rivière. Voilà. Mais en termes de logistique, je me demandais, parce que dans pas loin, je crois qu'il y a du sous, il y a du charbon. Je dis pas de bêtises. À 400 mètres. Bah, déjà, au pire, t'as ton charbon qui est pas très loin déjà là. Ouais, c'est pour ça. Tu vois. Et il y a le catérium qui est juste en bas. Tu vois. Au final, on a tout centré. Et si je cherche, si je mets du, par exemple, du fer. Bah déjà, il y en a un à côté du catérium, si je démolis du... Il y en a un à 200 mètres, et je crois qu'il y en a un au catérium, là. Hop. Déjà, je vais démolir le truc. Mais je crois que c'est du pur. Ouais, c'est du pur. Tu vois. Attends. Nos délisques. Mais nos délisques sont... Recule un peu, ça explose. Recule un peu. Ah bon? J'ai pas encore lancé. Bah c'est une bombe, en fait. Oui, mais j'ai pas encore lancé mon délisque. Ok, je te préviens, hein. Recule, hein. Recule. Trop d'agression. Oui, il faut équiper en main le Nomerix. Ah non. Non, il faut que... Oui, non, c'est ça. C'est le détonateur qu'il faut lancer. Ouais, tu prends le détonateur recharge. En main, tu fais R pour recharger. Toc, ça te prend un obélisque dans la main. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Et là, on a un minerai de fer pur. Voilà, donc oui, peut-être que. Et donc, vu qu'on n'a pas besoin de catérium, en fait, l'emplacement de départ, à part pour tout ce qui arrive déjà dessus, comme le quartz, en vrai, on n'a pas besoin d'être là, quoi. Enfin, sauf si on veut exploiter beaucoup de fer. Le seul truc qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que on a. Tu un... t'es forcé là. Il est où? Il est assez gros, je pense, ça se voit normalement. Tu peux même le tirer. Ah ouais, hein. Il fuit! Non, non, recule pour charger. Peut-être que t'as un pichetoulet aussi. Il va te dégommer. Voilà. On récupère sa canne. C'est bon, on rate de le taper. Et donc, regarde, on a un minerai de... Même un normal de charbon, ici, pas loin. Donc on pourrait même faire une exploitation d'acier, oui. Ici. Mais ta rivière, elle est où? C'est ça la question. Pour moi, tout ce qui détermine tout, c'est la fameuse grande rivière dégagée qui peut accueillir en fait tous les générateurs.
Alors, la rivière... globalement, je veux dire, le centre de notre base, il va être construit à l'endroit où on va mettre les générateurs. Puisque c'est là où on va gérer notre alimentation électrique, donc c'est là où on aura besoin d'être. Enfin, tout du moins, là où il y aura les pompes. Excuse-moi, là où il y aura les pompes à eau. C'est là le cœur de notre base, puisque c'est là qu'on va devoir gérer tout le temps pour voir si notre électricité tombe ou pas, en fait. Concrètement. Le problème de la grande rivière, c'est qu'elle est à l'opposé. Je vois pas où est le problème. Oui, après, c'est vrai qu'on a les tapis, on a tout ce qu'il faut pour emmener. On a les tapis, on a la gare routière. Hein. On peut tout à fait se faire 3 gares routières pour charger toutes les ressources que t'as là-bas. Une mine de charbon qui alimente les 3 départs de camions et on envoie 3 camions avec 3 ressources différentes. Hein. Attends, les camions, on peut. Attends, on a la mine. Alors. En fait, si t'as le transport, ouais. Regarde dans ta construction, là où t'as gare routière, t'as tracteur. D'accord. Et le tracteur peut être automatisé. Bien sûr. De balise en balise, c'est ça? Bien sûr. Ok, d'accord. Il a même des petites spés, regarde, parce que tu peux aussi l'utiliser toi comme véhicule pour toi. Il a un inventaire à 25 d'emplacement, il a un établi intégré et peut être automatisé pour charger et livrer des ressources au niveau des gares routières. Surnommé le mantol par les pionniers de chez Fixit, puisqu'il est plutôt frais, ce gros machin. Voilà. D'accord. Et la grande rivière, regarde, elle est là-bas. Et c'est même pas une rivière, c'est un putain d'océan. Ouais, mais au ras du sol ? Au ras du sol, ouais. Viens voir, hein. Suis-moi, je suis en train de construire un pont là-bas. Ouais, je te poursuis. Ah oui, la fameuse zone buggée, incroyable. Voilà. Et là, je commence à... Mais attends, on a même le désert en bas, là. Bah oui. C'est pour ça. Après, j'ai pas été exploré plus loin. Mais voilà. Après, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, parce que là, c'est tout en rivière en bas, quoi, en fait. Ouais, et là-bas, avec t'as... le grand océan, ouais, pas mal, hein. Pas mal. En plus, c'est paradisiaque, hein. Franchement, ça vaut le coup. Bah oui, c'est joli, t'as la forêt d'un côté. Il manque plus que je mette un coup de débroussailleuse là-dedans, il nique sa mère. J'ai glissé, chef. Adieu. T'es mort ? Non, j'ai survécu. C'est vrai ? Je te jure. Je sais pas comment, parce que j'ai les deux pieds dans l'eau. Alors, il y a un petit bug, je sais pas si tu le savais. Quand tu rases les murs, il te compte la dernière collision de mur comme étant le... Le sol. Le sol, voilà. Oui. Mais là, j'ai tenu à un demi-pix de vie. Hein. Je te fais un escalier pour remonter si jamais tu veux. Je vais récupérer un peu de catharium en bas. Catharium. C'est vrai qu'on et ça me permet d'avoir la vision. Mais de toute façon, tu fais ton escalier, hein, parce que si on emménage par là, quoi? Ah non! Vite, j'ai besoin de toi, il y a un diablo! T'as un repousse que nous, c'est pas que moi qui... C'est pas un repousse, c'est un cogne, mais j'ai pas de vie! Je suis pas équipé en aventurier, moi, je suis en ouvrier! C'est bon, je l'ai eu. Heureusement que le jeu est devenu casu et qu'on peut récupérer de la vie comme ça, juste en attendant que ça se passe. En respirant comme ça. Eh, on est devenu Call of Duty. Oh, ça dira mal réel. Oh, carrément. Oui, mais en même temps, c'est vrai. Ah ouais, depuis le 2. Hein. Et ouais, je suis un vieux, je connais le 2. Et alors Alors, également, qu'il faut savoir que... Ah... Je sais pas où t'es. Où t'es, papa, où que t'es? Ah, ben voilà. C'est bon, t'es trouvé. Bonjour. Je suis là. Ah ouais. Bah, tire pas tous les t'as vu, ils ont des skins trop bizarres maintenant. Là, tu vois, regarde en face de nous, tu vois les plantouilles de merde là. Les plantouilles. Ouais, là-bas. Ouais, je vais les péter. Il y a une, Bah, maintenant, tu peux les péter au Nobelisque. Bah, ça, je sais. Tiens, il y a du monde là-dedans d'ailleurs. Peut-être un peu long. Non, c'est bon, je la bute. Attends, est-ce que t'as regardé si on pouvait les péter au nob?
C'est ce que je suis en train de faire. Recule. Ah bah non. Réponse non. Bon bah va falloir cogner. Ah, après un vie, ils éclatent tout seuls quand même au bout d'un certain temps. Par contre, non, non, ils déversent beaucoup. J'ai tiré dessus. Ok. Ça a été vachement bien protégé cette limace. Ouais, mais tu vois, des fois j'ai des trucs comme ça. Attends, il y a encore une merdouille derrière toi, t'entends pas le... Non, j'ai pas de son activé. T'as envoyé le. Et il y a un Diablo ici. Mais ouais, t'as vu, c'est violent. Regarde, t'en as un gros spécimen un peu plus loin. C'est là où je suis mort la dernière fois, tu te souviens? Il y a un gros spécimen. Ah oui. On va le buter, let's go. Let's go, bolos des monstres. Alors quand on est deux, tu fais moi le malin, fils de pute. Ah ouais, quand c'est vous, c'est nous qui sommes en surnombre. Hein? Connard. Putain, mais sort pop. Mais regarde, il y a encore un diablo. Let's go. Bagarre. Massacre. Butez-les tous, cette nature pourrie dégueulasse de merde. Qui nous empêchait de polluer. À cause de vous, nature, on est obligé d'utiliser de l'oxygène alors qu'on pourrait respirer que du charbon si t'existais pas. On aurait pu être une espèce élevée au charbon et au gasoil. Comme des nains. Exactement. Hey, on va jusqu'à la navette hein, tant qu'on est là. Let's go, let's go. La navette? Let's go. Ouais, tu l'as déjà faite? Non, je crois que j'avais pas ce qu'il fallait à l'époque. Let's go. Tiens, oh, y a des diablos. Vas-y. D'ailleurs, t'avais pas ramassé. T'avais tué des bestioles, t'avais rien ramassé dessus. Bah ouais, je suis mort, je te rappelle. Alors moi, on m'a toujours appris les ZAD avant les gros. Bon. Ouais, c'est normal, le gros, je l'ai tué en premier. J'ai massacré le gros en premier. Et il fallait 10 caoutchoucs, ouais, c'est pour ça que je pouvais pas le prendre. Okay, d'accord. Je me disais aussi, tiens. Et tu l'as balisé celui-là? 10 caoutchoucs? Non, j'ai. Ah, bah attends, j'ai. Et parce qu'à l'époque, tu pensais que c'était bugged. Ouais. Alors, en fait, maintenant, c'est cartographiad. Alors. Tac. Pas mal, puis alors surtout ce qui est pas mal c'est qu'on a un peu d'espace au sol, c'est relativement plat, c'est pas mal pour mettre les stations, puis on a les différentes hauteurs de plateau. On pourrait même faire des bases un peu naturelles en posant volontairement sur les espaces les plus plats nos industries pour pouvoir garder les couleurs chaudes. Bah les couilles. Quoi ? Dalle de béton. Ma réponse, dalle de béton. Moi j'entends encore une bestiole râler là. Escalier. Donc ouais, fort intéressant. Hein. Ah par contre tu utilises ça toi? Ah tu vas avoir des regrets mon ami. Je te conseille d'utiliser l'autre. L'autre dallage. Je sais pas c'est quoi que tu me dis. Alors en fait pour ta construction, je te conseille d'utiliser, tu vas voir, je vais t'en tirer un. Tu sais quoi, je vais même te les tirer en béton pour que tu les vois. Distinctement. Je te conseille d'utiliser cette rampe là. Je t'en mets hop jusque là-haut. Et si tu te demandes pourquoi, sache que la réponse aussi simple que chaussettes. Ah, Dieu. Les bâtards, ils ont ajusté. J'ai rien dit. Ah, mais il y a encore un diablo. Putain, mais. C'est vraiment des gros bâtards. En fait, avant, il y avait une explication logique de pourquoi je l'ai débloqué. Il y avait un vrai intérêt. Et ils ont patché ça. C'est vraiment des trous du cul. Et donc ? En fait, c'était intéressant parce que c'était. C'était moins cher. De deux bétons, le truc. Bah, j'ai regardé avant d'utiliser, comme la 4 elle monte plus vénère. Par contre je suis intéressé d'aller voir qu'il y a de ce côté. Il y a une navette là par là aussi là. Des hauteurs où je suis, je vois une navette.
Oui, non, on va faire. Vas-y, je vais faire une descente en, en asphalte. Il y a quoi ici? Parce que des fois, moi, je pars juste en exploration pour explorer. Et je trouve le jeu trop bien, trop beau. Que. Des fois, je pars sans but. C'est marrant, hein. C'est faut pas faire. Papillonner, tu veux dire? Ouais, juste pour la joie du papillonnage. Pas le genre. C'est très bien que tu pars avec un objectif en tête. Ouais, mais je l'oublie au bout de deux secondes. Y'a plein de monde comme ça, pour ne pas citer certains noms. Wow. Ça allait mal parler des gens. Pas du tout, il le dit lui-même. Ok, je vois donc une capsule. Je m'approche de la capsule. Techniquement, j'entends des ennemis, mais j'en vois pas. Je sais pas où t'es. T'es en bas là? Ah, t'as déjà clean cette zone. Ouais, il y a des chances. Okay. Et je suis mort. Oh, même pas. Oh putain. Ok, okay, c'est une zone que t'as déjà clean. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Ça veut pas dire que je me souviens de ce que j'ai fait. C'est un peu problématique ce genre de choses. Ah, je connais quelqu'un d'autre comme ça. Voilà, de toute façon il va falloir qu'on remonte. Ah oui, si, oui, 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 j'ai déjà clean, oui. En fait, quand j'ai clean tout autour de la base, j'ai essayé de clean tout autour de la base. Sauf la truc de caoutchouc là-bas. Mais sinon, j'ai récupéré tout ce que je pouvais. Ok, bah franchement on est bien. Hein. Donc ouais, je pense qu'il faut s'établir du côté là de là. Là-bas? Il va falloir bétonner de... Est-ce que je récupère tout ce qui est rampe et compagnie là Non, je pense que pour l'instant juste on double et on ira récupérer plus tard ce qu'on veut mettre. En bas. Okay. Ah, ta rampe là pour descendre? Ouais. Non, puisque pour l'instant on n'a pas mis d'hypertube. Donc en fait, pour l'instant, vu qu'on n'a pas dallé le plafond, littéralement. Ouais, ok. Il va falloir descendre nos industries. Ça, par contre, je vais récupérer. Parce que c'était juste pour aller voir ce qu'il y avait. Il va falloir effectivement se faire même, je pense, une rampe. Voire un hypertube très vite. Mais le problème, c'est qu'un hypertube sans. Enfin, je peux pas le tirer tout droit jusqu'en bas. Ah bon? Ouais, il me faut obligatoirement des paliers, comme les tapis, tout ça, il faut des paliers. Le seul qui... où globalement tu peux faire ça, c'est l'ascenseur de tapis là, mais l'ascenseur de tapis, pareil, il a une longueur du coup qui est moindre. Ah, et là... Alors, j'aurais bien voulu... Alors, je sais pas si... Puisque t'es là, est-ce que j'ai encore du béton? Oui. J'ai encore du béton. Je t'invite à aller. On va aller voir sur le plateau rocailleux à droite là. Tu vois, avec les arbres et compagnie. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose. C'est l'instinct d'explorateur. Ouais, en même temps, dans ce décor, tout a l'air d'y avoir quelque chose. Pas dire, mais. C'est pas faux. Et même des endroits où t'as l'air d'y avoir rien du tout, y a des trucs. Et puis y a des petites grottes cachées dans un trou du HUC. Par contre, je sais pas où t'es passé. Hein. Ah, là-bas. Ok. Tu vois du béton apparaître. Ah bah là-bas. De l'asphalte. Pas en béton. Déception totale. Déception totale. Et c'est officiel, je n'ai plus de béton. Ben autant y a rien. Mais oui aussi. Mais il y a de l'eau. Oh, par contre c'est très joli le décor. Bref, et des fois tu penses qu'il y a rien mais faut plonger et en fait il y a un trou sous l'eau. Ah bon? J'avais fait ça. Des fois. En fait ils peuvent te cacher des trucs partout le jeu. Je savais pas tu vois. Le jeu il te cache des trucs partout hein. Des fois juste tu ramasses des herbes, genre là t'es en train de tomber des herbes sur un rebord de rocher. Et tu fais ah, mais il y a un trou dessus où on y accède qu'en glissade. Genre tu peux pas y accéder accroupi, tu peux y accéder qu'en faisant une glissade. Je lui fais des blagues. Ouais, c'est intéressant.
Je trouve ça intéressant. Par contre, moi j'ai plus un bloc de un seul bloc de béton, je peux plus rien poser. Hein. Ouais, j'ai. Tu veux des trucs? Non, non, parce que je vais arrêter dans pas longtemps. Il faudrait que j'aille manger. Je t'ai vu connecté, je suis directement venu en fait. L'amour de l'industrialisation. Non, mais en vrai. En vrai, je pense qu'on a trouvé le bon bail. Et tu sais quoi? Mm-hmm. Je pense qu'on est même pas assez haut. Ah bah oui, si tu veux qu'on se mette au top of the world, on n'est pas assez haut. Nous ferons comme les Allemands dans Wolfenstein. ceux qui ont joué à ça, ils ont la ref, il y a du béton partout. Il n'y a que de ça, il n'y a plus verdure et compagnie dans leur Berlin à la con. Après, faut voir, parce qu'en fait, il y aura toujours un truc oh, plus haut putain que notre plateau. Au secours. T'as raté la marche? Ah, j'ai raté la marche de beaucoup. Je ne suis pas mort. Ah, comme moi, quand j'ai raté la marche de beaucoup. En fait, j'ai essayé de me coller au bord et de m'en écarter tout en faisant très attention. J'ai touché un bord, j'ai rebondi contre ce bord, ça m'a pas tué. Ah, cette maîtrise. Oh là là. Ça s'appelle de la chance. J'ai bouffé toute ma chance, demain je vais faire que des échecs critiques. J'annonce. J'annonce. Et bon bah c'est en tout cas la petite zone là, elle est jolie comme tout. Donc elle à voir, il va falloir que tu me dises vraiment est-ce que tu veux qu'on la mette la hauteur de dalle, parce que on va pas changer 50 fois en fait. Je vais pas redaller tout le bordel à chaque fois, hein, parce que là il y a un inventaire de béton déjà qui a été coulé. Hein. Ouais. Je pense que tu alors où t'es ah, t'es toujours sur la plateforme où je suis allé voir? Non, je suis sur ouais je suis sur le caillou là, je suis devant le petit lac là, je chill devant un décor paradisiaque. Eh ben écoute et un ascenseur orbital. Pense... Parce qu'on voit toujours et un ascenseur. Attends. C'est le... Je vais essayer de te trouver. C'est le point de. OK. Okay. Bah, je pense qu'il faudrait qu'on soit. Viens voir. Mm-hmm. Je peux te montrer le référentiel là. En te disant. Je dirais. La hauteur. Faudrait qu'elle soit ici. Ici, max. Parce que comme ça on englobe pas mal de choses, on n'a pas les arbres qui vont venir nous faire chier et il y a très peu de choses au-dessus de nous et on peut quand même voir un peu la nature et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros ce serait remonté de 1, 2, 3. 3 blocs. 3 blocs de 4 mètres. Allez, 4 pour bien faire. Ok. Donc en gros... de quel bloc. En gros ça ferait ouais ici. Ah merde, t'es déjà parti. Ah moi tu m'as dit 4 blocs. D'accord. Bon parti. Donc ça veut dire que les petits arbres là, ils disparaissent, hein. Ils se retrouvent sous la couche de béton, c'est bon pour vous. Quels petits arbres? Les petits arbustes, tu sais les petits jardiniers que tu trouvais très jolis, ah, avec les cibles de sapin. Ceux-là tu peux les laisser, puisqu'on va devoir avoir des trucs intermédiaires, que ce soit pour la... Parce que moi je trouve pas ça intéressant d'être plus haut, je vais t'expliquer pour une chose là. Vas-y dis-moi. C'est qu'après on va se retrouver avec des sommets de poison, genre là à gauche là. Ouais. Là, face à moi, on va se retrouver avec ça juste en dessous de nos pieds. Et en fait, on le verra pas et on se baladera chez nous et puis et on mourra parce qu'en fait, on est dans une zone à poison. Ouais, t'as raison. C'est ça le truc. Et je trouve pas ça intéressant d'être plus haut que la grande cime là-haut qui est en face de nous, tu vois. C'est pas. Ouais. Je trouve qu'en vrai, non, déjà là, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'à chaque fois, faut descendre en bas pour aller chercher nos ressources. Hein. Pour le moment, ouais. Après, normalement, ça va être tout automatisé. Donc, oui, après, t'as raison.
Non, non, mais à chaque fois, il va falloir tirer des hypertubes, tirer des voies ferrées jusqu'en bas. Plus on est haut, mec, plus c'est la merde. On est juste trop con. Viens voir, on est juste trop con. Plaît-il ? Ah, viens voir, tu vas comprendre tout de suite. Regarde dans la direction dans laquelle je regarde. Ouais. Il y a un ascenseur. On est passé vital. 120 fois devant. Ascenseur orbital ? Non. Ascenseur orbital. En bas à gauche. En bas à gauche. Bas à gauche. Un tapis. Tu la vois pas la putain de limace ? Quoi ? Sur l'arête là ? Ouais. Ah, ok, d'accord. Elle n'est pas là. elle n'est plus là. Bah, je t'invite à descendre. Peut-être qu'elle existe dans ton univers. Je pense qu'elle n'existe pas. Elle vient de dépop. Je l'ai plus regardé. Ouais. En fait, c'est le taux de refresh à distance. Ça a un avantage et c'est un désavantage. Le désavantage, c'est que ça a tendance à te faire réapparaître les limaces qui sont déjà plus là. L'avantage, c'est que ça te fait apparaître des limaces qui seraient cachées dans des rochers. Donc la nuit, tu les vois très bien à l'autre bout de la map parce qu'il n'y a rien qui les cache. D'accord. Et leur lumière pénètre l'infini. Très beau ça. On peut même en faire en sorte de pas là dedans. La lumière pénétra l'infini. Voilà. Et bien moi je vais te laisser là, je vais aller poser mon bordel comme ça si t'en as besoin dans mon petit bordel. Ah mais moi je vais rien faire d'autre que tout foutre au broyeur, c'est tout ce que je vais faire, hein. des tickets pour avoir tout ce qu'il me faut pour aménager à l'infini. Puisque là de toute façon il faut terminer la phase 2 et je pense qu'il faut tout démolir et tout reconstruire et donc c'est un truc qu'on fera ensemble. Ouais. Donc en gros tu vas laisser tourner le jeu, c'est ça ? Pas spécialement uniquement tourner le jeu, mais ouais, je vais. Les trucs que je jette pas. Ouais, par exemple, là, on broie plus rien. Ah ouais. Alors qu'on est full rotor. Et full. On est full rotor. Plaque de fer renforcée. Et on peut générer une pile ou deux là. Ah ouais, on a une pile. Bah d'ailleurs, j'ai pas récupéré des limaces moi. Ah non. Ça se range. Du catérium, bon. Avec grand plaisir que je vais le presser. Bah après du catérium, si t'en as vraiment besoin, t'as juste à aller à la mine à côté du charbon et puis non là. Mais tu sais, vu que je ramasse ce qui traîne dans le coin, bah ça me permet de me refaire un peu de stockage de fil que j'avais pas spécialement sur moi. Ouais. Voilà. Tiens, attends, avant que je me barre. Il y avait un truc dans le MAM. Je dis pas de bêtises. Oui, il y avait. Il y avait des choses dans le MAM, en effet. Oh oui. Alors, je sais pas si c'est intéressant. Mais il y a des cadres modulaires. Bah, c'est les fameux cadres modulaires qu'on fait avec des tubes en acier. Enfin, avec des tuyaux. Ouais. Les tuyaux, ils servent pas à grand chose en général, puisqu'ils servent uniquement à faire des stators. Et ils servent à faire des munitions pour faire des nobelisques. Ouais. Ce qui est pas forcément... voilà, c'est pas une ressource dont on se sert énormément. Mais vu qu'on consomme beaucoup de plaques en acier, par contre, ouais. Bah c'est pas forcément très intéressant de multiplier ta consommation de charbon. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Par contre, le stator peut être intéressant. Moi, en fait, moi j'utilise d'acier, plus je suis content. Le stator peut être... Ah non, un connecteur haute vitesse, c'est peut-être pas intéressant. Ça, je sais pas ce que ça demande comme ressource. Moi, y a rien qui me chauffe vraiment. Si, regarde, avec tout le fer qu'on a, faire un fil de fer alternatif, enfin un fil de cuir en gros, hein, alternatif, pourquoi pas. Fil électrique, quoi. par contre, Ah non, il est pas intéressant. Parce que, regarde, sur le constructeur, ouais. Si on le fait en catérium... C'est quoi, sur constructeur ou sur assembleuse de quoi on parle ? Moi je te parle du fil de fer alternatif. Ouais. Le constructeur en construit 120 avec du catérium. Mm-hmm. Ok. Et avec du fer ça fait 22,5. Ça veut dire que avec 5 de fer, t'en construis moins vite qu'avec du cuivre classique ou le catérium à l'heure actuelle. Et il en produit 8 en 4 secondes, donc il en produit 80 en 40 secondes.
Donc il en produit 120 par minute. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il est plus intéressant, plus performant, et en plus de ça, ça se mine très facilement le Caterium. Donc c'est pas le problème. Non, moi je trouve pas ça, fou. Hein. J'ai envie de prendre le. Bah le cadre modulaire en vrai peut être rentable, mais c'est, le seul problème c'est que ça va nous bouffer encore du charbon pour rien. Oui, c'est même pas intéressant puisque on a déjà des alternatifs en fer et tout pour gratter tout ce qu'on a besoin de gratter à l'infini. Ouais. Donc moi je vois pas d'intérêt de remplacer. Enfin c'est littéralement le truc, c'est la recette de base, c'est littéralement des tiges de fer tout pété. Attends. Et des. Le rotor qu'on a, nous, le rotor qu'on a en alternative, c'est 4 tiges de fer, 15 fils actifs. C'est 8 par minute, qui est 3 de plus que celui de base, qui demande 3 poutres, 3 tuyaux d'acier, et 8 de fils de cuivre. D'accord ? Donc, déjà, on a encore éliminé notre utilisation de fils de cuivre. Et surtout, ça en produit 2. Et on en a 8 à la minute. Enfin, je me répète. Le fil de fer, bon bah on peut déjà en produire masse, et le connecteur haute vitesse, on ne l'a pas encore débloqué. Après, on ne l'a pas débloqué, est-ce que c'est dans les recherches du Caterium? Ah. Et c'est à la phase suivante, tout ce qui est électronique et pétrole, c'est à la phase suivante de l'ascenseur orbital. Mais je me dis, franchement, le cadre en acier alternatif, il est pas intéressant parce qu'on est déjà à un âge où on le maîtrise sans difficulté. Et je rappelle que littéralement on tournait avec une mine de fer pour produire tout ce qu'on a besoin de produire, et que c'est uniquement, on a dû en brancher une deuxième uniquement pour pouvoir produire de l'acier. Sinon on n'en a rien à foutre, on tourne avec une seule mine de fer. C'est vrai. Je sais même pas si tu l'as passé en MK2 la mine de fer de base. Non, la première est toujours en MK1. Voilà, en sachant que voilà, donc on peut la repasser tout à fait en mode tu fais des vis avec du fer et pas avec de l'acier, puisque actuellement on fait des vis avec de l'acier et pas du fer, parce qu'on en produit beaucoup plus vite et que ça me permet de remplir le stockage en mode j'ai pas besoin de réfléchir pendant ce temps-là. Donc tant qu'à faire, j'accélère la prod. Mais sinon, on peut tout à fait le faire avec du fer. On produit pas de cadre modulaire, mais on peut tout à fait produire des cadres modulaires actuellement sans aucune difficulté. J'ai juste à faire un Kraken supplémentaire, il y a pas de problème. Et je suis même pas sûr que t'aies besoin de changer de taille de mine. Non, par contre, le seul truc qu'il faudra changer, ce sera peut-être finir de piler ma dernière centrale. Ce sera peut-être le seul truc à faire. Oh. Centrale générateur, tu veux dire un charbon? Ouais, centrale, oui. D'ailleurs, j'y pensais, c'est peut-être intéressant d'ailleurs de la remplacer, la MK1, parce qu'on l'a pas pilé la MK1. Je sais pas, je vais aller vérifier de ça. De sortie de fer. Au cas où. Non, elle n'est pas pilée. Non, donc elle envoie 100. Bon, elle sort. Elle alimente tout, hein. Donc moi là, tout ce que j'ai besoin de faire techniquement, c'est d'envoyer des tiges. Pourquoi on sort plus de tiges? Parce que ça doit être bloqué. Quoi? Ouais. J'ai l'impression que c'est bloqué. Le seul truc qui serait intéressant... Ah oui, c'est bloqué parce qu'on a trop de plaques. Ah. En fait, on a trop de plaques. Donc je vais vider les plaques. On a trop de plaques, oui, puisque du coup on produit plus... tu vois, donc justement, là on en est à un stade où, pour nous, il est intéressant de produire des cadres modulaires avec la formule de base pour pouvoir dégager des plaques de fer renforcées qu'on a en trop. Voilà. Je t'invite à faire deux choses. On va faire des cadres modulaires avec les plaques et les vis ou les tuyaux, je sais plus ce qui nous manque, les plaques, parce qu'on en a énormément, on a un conteneur complet. Et dans un second temps, faire les plaquages intelligents, parce qu'on va en avoir besoin pour pas mal de craft plus tard, et surtout pour terminer la phase 2. Ça pourrait être déjà terminer une étape, sachant que les trucs prennent quand même pas mal de temps. Je crois que si tu regardes, alors un cadre modulaire, on en fait 60 à la ou 60 à la seconde. On en ferait que 2. Stator alternatif. Putain. Ouais, non. Il nous faut cadre modulaire pour les structures polyvalentes. Pour les câbles, il nous faudrait du stator. En fait, il faudrait faire stator. Idéalement, il faudrait qu'on fasse stator, plaquage intelligent, structure,
Les moteurs, on va en avoir besoin bientôt. Cadre modulaire. En fait, faudrait tout faire. Faudrait encore. Parce que là, clairement, on a trop de. On produit actuellement, par exemple, on produit trop de plaques de fer. Faudrait que je réduise la production de plaques de fer. Je vais enlever une pour qu'on produise des plaques de fer plus vite. Parce qu'en fait, tu regardes le conteneur central, on stocke plus de plaques de fer qu'on stocke de vis. Donc, je produis des plaques trop vite. Même des plaques de fer pas riftées, mais des plaques de fer renforcées, on en a trop. Ah bah oui, bah on est plein. C'est pour ça que ça a bloqué, plein. Que j'avais plus de vis qui arrivait. On est plein, mais d'abord, là, je pense que je vais devoir te refaire une centrale, parce que sinon, on va vraiment être dans la merde. Si tu veux recraconiser le tout, il va nous manquer des trucs. Ah oui, pour ajouter une assembleuse. Parce que là, ouais. C'est juste ajouter une assembleuse. Hein. Non, il va en falloir en ajouter deux là. Non. Cadre modulaire, j'ai juste besoin d'ajouter une assembleuse. Ah, tu vas juste faire les cadres modulaires. Je croyais que t'allais en rajouter masse en fait. Bah, pour l'instant, non, mais de toute façon, nous, pour l'instant, on va déplacer tout ça. C'est pour ça que je te dis, là, le premier truc qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est aller poser des générateurs. Parce là-bas. Que l'idée c'est d'avoir d'abord le courant avant de déplacer toute l'industrie, parce que quand on va déplacer l'industrie, on va pas juste poser un truc pour poser un truc. C'est justement le moment où on va commencer à se poser la question de combien on va avoir de constructeurs, combien on va avoir de fonderies derrière, pour faire fonctionner combien de gisements qui vont produire du combien, qu'on va envoyer dans du combien. Et tu vas le garder tout le truc au milieu là ou pas? Le Kraken là? Ouais. On peut garder le vieux village gaulois si tu veux. De garder le vieux Kraken, le vieil irréductible Kraken, on peut, mais sinon on le démonte intégralement. Mmh. C'est une question de choix. J'ai envie de te dire, toutes les ressources qui nous ont permis de le faire, techniquement on les a, il n'y a pas de problème. Donc on peut, on n'est pas obligé de les démonter. Voilà. Moi j'aimerais trop voir, tu sais, la navette elle nous a pas déposé trop loin, les mecs qui reviennent un jour ici dire: ah, vous avez bien industrialisé tout. Vous faites quoi ici? C'est le vieux quartier. Comment ça, le vieux quartier? Et là, ils voient les grosses plateformes de fils de pute avec avec tout le train et compagnie. Ça pourrait être très drôle. Attends, je crois que c'est à traverser les desserts. Attends, je charge un truc. J'espère que ça n'a pas de déco. Ça m'a déco. Non. Oui. Ça m'a déco. Parce que normalement, t'es en chargement. Non, c'est à renvoyer au menu? Non, ça m'a connexion lost. Ah putain, les tarbas. Ah, ils sont pas bons sur leur multi, l'évêque. Hein. Pourquoi? C'était pour faire quoi? Bah, je vais t'envoyer une idée de session. Si je me suis pas trompé, c'est pour te montrer le premier Kraken. Le tout premier. Le plus beau. Le premier Kraken. Le grand maître des Kraken. À skip. Et après, je vais aller manger. Je commence à avoir l'écran. Mais non, t'as pas faim. Si, j'ai faim, je sommeille, je suis un cran. Je te jure. Putain, je viens de fermer YouTube comme un juge. Ah oui, ça y est, c'est bon, c'est la bonne en plus. En plus, c'est la bonne. Gérer la session, gérer les joueurs, paramètres de session, copier au presse-papier. Ouais, on en est là. Hein. On en est là, ton tube. Hein. Oh. On est désespéré à ce point-là. Hein. Merci. Oh, par contre, les idées de l'enfer, au secours. Le mec qui essaye de rentrer dans une idée en tapant ça manuellement, il est... Il tape un code wifi tout le temps, en fait. Oui, comme c'est pas la même idée de truc... Les travers du désert. Aïe, yo. Si vous avez peur des araignées, on s'occupe de tout, activer le mode arachnophobie. Ça fait quoi le mode arachnophobie? Ça fait des Nyan Cat. C'est vrai? Oui, oh, c'est comme ça qu'il joue, Totonin. Trop... Parce qu'il a peur des... Oh, bon, des après, les peurs des gens... Ah oui, cette gay... Ah ouais, mais t'avais... Wow. Si tu viens là où je suis, très vraiment, vert on ici. Le voit d'Asseol Kraken, c'est quand même une histoire. C'est très très vert ici. C'est quoi? C'est très vert partout ici. Très vert? Ouais, c'est très très bien. Mais t'es où? Comment t'as fait pour monter là-haut? T'es où, toi? Par contre, vraiment... Viens à l'ascenseur orbital, là. Je suis à l'ascenseur orbital. Je trouve ça très beau. Merci. C'est très bien foutu. Yoli, hein. Et regarde, là, le tube. Poup.
Par contre, faut ralentir un peu au bout parce que sinon tu repasses par dessus. Comment on fait pour ralentir? Non, c'est bon. Il faut appuyer sur S. Et des fois, le tube il te lance un peu trop loin si t'arrives en courant. Et voilà. C'est très joli. En vrai, c'est superbe. C'est un Kraken, hein. C'est un Kraken originel. C'est le, ouais, c'est le tout premier. Avec la poudrière là-bas à droite, où on produisait toutes les munitions et compagnie. Ouais. Là-bas, évidemment, les deux grosses usines à gauche, c'est le bon char, le bon char, le bon char. Il y en a même une qui a jamais été finie, puisque il n'y avait pas de toiture encore à l'époque. Donc c'est la première à gauche, là, le premier gros bâtiment. Par contre, vraiment, tu t'es vraiment emmerdé à faire une tour radio. Ah oui, bah c'est la tour... comment c'est une tour radio? Ah oui, mais regarde, en fait, c'est tour radar, regarde. On en voit même une d'ici, regarde. Si tu regardes dans ma direction. Regarde. Il y en a une sur l'arête, là-haut. Parce que les tours radar, plus elles sont en hauteur, plus elles captent loin. Et donc on voit les différentes tours radar, même de là où on est. On en voit une autre qui est vers le pétrole, là, à gauche. Ouais, je plus vois. Au fond à ah, gauche. Ah, j'ai une caisse là. J'ai une caisse apparemment par là-bas. Il y a une caisse à moi. Ah, il y a une caisse à toi. T'as vu, il y a le petit train qui... Ah, qui slide sur les dunes. Le petit train qui slide sur les dunes. Si tu l'as pas fait, je t'invite à le faire. C'est un je petit l'ai vu, plaisir. J'ai vu, j'avais déjà fait. Par contre, pourquoi t'as des... On dirait que t'as des... qui sont buggés, elles clignotent. Ouais, alors non, c'est parce que toi tu les vois peut-être pas bien, mais c'est des cases de verre donc elles ont un reflet. Non. Donc en fait t'as une autoroute deux fois deux voies, avec des trottoirs sur le côté pour pouvoir transporter des marchandises par tapis, et au centre t'as l'hypertube. L'hypertube qui n'est pas terminé. Oui, puisque j'avais mis de quoi automatiser, de quoi faire des gares routières, mais j'ai jamais mis de gares routières. Au lieu de quoi, t'as toute la collecte des véhicules là qui est en bas à droite de la tour radar. La tour radio. Merde, ouais. Je suis tombé. De toute façon, il tombera un peu plus bas, le connard. Donc, il y a les véhicules là tout en bas. Hey, faut pas s'approcher trop du tube parce que sinon il t'absorbe, ce con. Ouais, tout à fait. Et bah en face, avant qu'il me refasse des grandes mises à jour qui fait que j'étais obligé de tout casser, tout recommencer depuis le début, j'avais commencé à faire l'hyper entrepôt dont l'objectif c'était justement de ah oui avec les statues, c'était de krakeniser proprement toute l'industrie avec des assembleuses, des constructeurs. Bah voilà, j'avais commencé. D'accord. Par contre, c'est étrange la bien krakeniser ici aussi hein. La fonderie, il y a pas de fonderie au-delà de avancer. Il y a pas la méga fonderie qui mixe trois trucs. Bah pour l'instant je ne sais pas parce que moi je ne suis jamais allé au nucléaire. Dans cette partie je suis au nucléaire, mais j'ai jamais utilisé le nucléaire. Mais le nucléaire c'était le dernier truc. Okay. J'ai jamais eu jamais vu au-delà. Je sais pas s'il y a au-delà. Attends, là ton ah ton oui, hub, il y a de la verdure partout, c'est connard. Il est où ton hub? Mon hub? Ouais. Je voudrais aller regarder les jalons. Alors là, est-ce que j'ai encore ce truc là? Bah ouais, normalement t'as un hub. Ouais, ça doit avoir ça quelque part. Hein. Par contre, ouais, je suis vachement lent d'un coup. Je souffle, tour radar. C'est bon, j'ai trouvé. Des mines. Tu l'as trouvé? Ouais, ouais. Ah oui, il est là. Alors, t'as l'over. Ah, t'as l'overpack. C'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour te. C'est un truc pour te déplacer dans les airs. Ah ouais. Oui, ça, c'est le tout dernier truc. C'est, il n'existait pas, jalon 8. Enfin, ouais. Jalon 7, ça n'existait pas. Donc vraiment, moi j'ai débloqué, j'avais débloqué là, vous voyez vraiment les derniers trucs. Putain, les acides sulfuriques, tout ça, j'avais débloqué. Ah oui, c'était le truc avec les tenues. Convoyeur MK5. MK5, 780 ressources par minute. Mais tu vois, justement, c'est ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que si on connaît pas les choses, au moins tu peux me demander d'aller dans cette partie et aller chercher tout ce qu'on a besoin de savoir. Genre là, par exemple, tu peux savoir qu'un MK5, ça transporte 780 ressources par minute. Système de directeur d'assemblage. Je peux même te dire ce que sort une foreuse MK3. Une foreuse MK3 sort 240 ressources par minute. Ouais. Production. Attends. Production d'aluminium avancé. Azote gazeux. Ouah, mais t'as des trucs après. Ouah. Dont je me suis jamais servi. Mise à jour du scanner brut. Pétrole brut. Mise à jour de scanner eau. Mise à jour azote. Granulé de plutonium. Pâte nucléaire. Projet... Pièce numéro 9 du projet. Envoyez-le dans l'ascenseur. Ah, d'accord. Ok. Cube de conversion sous pression.
Enrichissement à particules. Accélérateur de particules. T'as un accélérateur de particules. Waouh. Non, mon mec, j'ai que du charbon. Je sais pas, là, tu sais, je sais pas de quoi tu me parles en vrai. J'ai du charbon. Attention, la consommation d'énergie est extrêmement haute, instable et varie selon les plans. En vrai, juste pour le lol, je vais en faire un et faire tout péter. J'ai pas un poteau électrique, j'ai rien ici. Ah oui, j'ai tout mis au plafond. Moteur turbo. Ah. Ils sont pétés mes décathlons ou c'est comment? Ah merci jambes. Elles étaient dans mon dos. C'est ça que ça marchait pas. Comment t'as fait pour les mettre dans ton dos? Fusée à propulsion thermique. Non, on peut pas. Mais j'ai pas un poteau élec là. Mais. La vache. Mais. Mais j'ai caché les poteaux électriques, c'est pas possible. T'as des drones. Oui, non mais t'as pas de poteaux électriques, c'est des prises murales mec. Oui, mais normalement j'en ai là qui devrait alimenter le sol, le truc, des machins. Genre, y a pas un poteau électrique qui. Ah, mais oui, je sais où est-ce qu'ils sont. Ah putain, ils m'ont remis, l'uranium. Oui, bah ils sont sur la voie rapide. Ils sont sur l'autoroute. Ce qui est marrant, c'est que t'as un truc de calcaire qui a pop juste au milieu de ton web. Ouais, je suis un peu chaud, hein. Je suis bon. Hein. Et je produis donc actuellement 6000. En gros, ouais, 6000, oui, parce que oui, c'est vrai que j'ai de l'énergie alternative, donc on va dire 5800 mégawatts. En n'ayant pas de nucléaire. Ouais. C'est peu. Je sais pas combien génère de nucléaire, mais ça doit être peu. Normalement, non, non, même là, pour du nucléaire, c'est beaucoup. Hein. Je veux dire, je fonctionne sur des générateurs non pilés. T'as vu l'intérieur des usines ou pas? Derrière des usines, voilà, t'as tout compris. Je sais même pas si elles sont pompes. Si, elles doivent être. Si, les pompes à eau. Vu la gueule qu'elles ont, y a de la pile là-dedans. Ah, elles sont même pas full pilées. Ah, mais non. Par contre, t'as un souci sur ton, sur certains de tes pipelines de flotte. Ils sont pas remplis à fond à chaque fois. Oui, oui, parce qu'on est, calculé ici à la base pour que ça fonctionne sur l'ancien modèle. Sauf qu'ils ont changé les consommations et les refroidissements. Je dis la partie elle est flinguée, c'est à dire que là techniquement si j'attends ça va crash tout seul. Parce que techniquement je refroidis plus assez. Alors t'en as un, ouais il y en a un qui n'a plus d'eau dans son truc. Et qui est full pilé, celui-là c'est le générateur full pilé. Celui où je suis là. J'en ai même plus que ça puisque regarde quand tu lèves les yeux tu vois qu'il y en a qui se coupent. Genre lui là il se coupe, pourquoi tu te coupes? Ah parce que lui il reçoit plus de charbon. Ah oui, ouais, on est au stade en fait où même je reçois pas assez de charbon. Donc c'est ce problème là. En fait le problème que j'ai ici, c'est que vu que c'était la première fois, t'as vu ce kraken de bon char qui arrive, hein. C'est beau. Mais c'est même pas un kraken là, c'est tout bien mis en fait. Oui, oui, là, oui, c'est beau. C'est l'hyper industrialisé. Oui mais non en fait, c'est mal mis. Parce que si c'était bien mis, il faudrait que le charbon arrive par ici en premier lieu. Tout ça par ici. Il faudrait qu'il arrive, là il y a combien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudrait qu'elle arrive entre là, 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, le charbon devrait très exactement arriver là, là où je me tiens. Parce que ici, attends, ici, bon, par contre, il devrait pas être assez ici. De charbon. Hein. De quoi? Ici, t'as pas assez de charbon, au bout là. Oui, bah je sais, c'est pour ça que je te dis, le charbon devrait arriver ici. La connexion devrait arriver ici. Mais et ça pas tournait, en bout. Par contre, tes tapis ils sont violents. Hein. Est-ce que tu comprends pourquoi faudrait pas que ça arrive en bout, que ça drive par le milieu? Ouais, ouais, je comprends, ouais. Y a rien. Parce que là, ça arrive que par le côté. Ouais. Ouais, ok. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, bah le premier il est plein. Ensuite 1, 2, 1, 2, bah le deuxième il reçoit pas trop mal. Puis le dernier en fait il reçoit jamais rien. Il en reçoit un de temps en temps. Et bah bien sûr, regarde le truc qu'il faut penser à faire quand on fait des générateurs, c'est comme ça que tu apprends que tu n'as plus assez, tu ne produis plus assez de flotte pour refroidir tes machines. Eh bah c'est les réservoirs, c'est bon vieux réservoir, parce que les conduites, c'est un yo-yo les conduites. Si tu te fies qu'à des conduites, bah tu te fies à rien. Voilà. Donc ça c'est le vieux vieux de la vieille. Et ensuite t'as l'autre usine derrière qui est un peu plus perfectionnée dirais-je. Et qui, elle, craqueunise déjà un peu plus, hein. C'est le retour du craquant, hein, là-dedans. Ah putain! J'ai repoussé des noms. Oh, par contre, elle est classe. Ah, j'avoue, c'est un kraken, mais c'est un kraken qui les classe. J'aime beaucoup sa gueule. Cette usine. Par contre, là, c'est kraken. Les tubes qui montent, qui descendent et qui se croisent, c'est drôle déjà. À la sortie. À la sortie, mais alors tu vas voir là où je suis, hein.
C'est sexuel, hein. Oh mon dieu. C'est Kraken, mais sexuel, hein, quand tu rentres dans la pièce du fond. Oh là là, les... Ouais, mais là, ça fait vraiment Kraken. C'est les tuyaux qui donnent l'effet Kraken, en fait. Ah ouais, mais là, c'est beau, non? Ah oui, carrément. Mais là, ça fait vraiment effet Kraken. Par contre... Au niveau de la flotte, ouais, t'es bon, en fait. Et là, si, oui, parce que c'est la dernière, c'est la dernière que j'avais faite par rapport à leur dernière mise à jour charbon. Depuis, ils en ont fait qu'une entre deux. Je pense pas que ça va changer grand chose. C'est celle-là qui t'a flingué. C'est pas celle-là qui m'a flingué, non? C'est laquelle qui a flingué ta game? Celle qui a flingué ma game, c'est celle d'avant. Et puis en fait, moi, ce qui me flingue ma game, c'est pas le, c'est pas trop tout ce qui est charbon, parce que plusieurs fois, ils m'ont fait changer le charbon, mais c'est pas grave. Je m'en fous, c'est une histoire de piles, c'est une histoire de nombre de pompes à eau, je m'en bats les couilles, c'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est comme là, la dernière que je, du coup, je laisse tomber, parce que en fait, ils m'ont carrément changé des schémas, qui fait qu'un schéma... maintenant, par exemple, pour produire les munitions, on les produit plus comme on les produisait avant. D'accord. Donc là, par exemple, ma poudrière est à l'arrêt complet, par exemple ici, parce que, dans cette game-là, parce qu'on produit plus du tout les munitions comme on les produisait à l'époque. Et d'accord, ça a été changé deux fois. Ah ouais. Voilà. Ok. Voilà pourquoi. Ils me foutent de la game par terre. Youpi. Oui. Bon voilà, c'est rigolo. Après, bon, bah, on peut aller voir la poudrière si tu veux aller voir la poudrière. Non, en vrai, je vais aller manger parce que je commence à avoir des maux de crâne et voilà. C'est pas bon. Ah oui. Et peut-être tête, même m'allonger un peu. J'en fais depuis que je suis gosse, mais là, clairement, ça commence à devenir insupportable. Surtout tu vois, avec sur un territoire de cette taille-là, l'hypertube, bon, ça va avoir le coup. Hein. Ouais, ouais, carrément. Mais le tremplin, toujours pas. Je suis désolé, le tremplin. Le tremplin, depuis le début, c'est de la merde. Hein. Je me rappelle déjà. Il y a un mec qui parle comme si t'es. Je me rappelle déjà à mon époque. À l'époque, là, quand je regardais Zerator et Kenny, je crois, jouer à ça avec les tremplins venaient de sortir, je me disais, ah ouais, trop bien, trop rigolo. En fait, c'est de la merde. C'est rigolo, deux secondes. C'est rigolo, mais après, mais c'est de la merde. C'est vraiment. C'est rigolo, deux secondes, mais il faut juste bien viser et pas toucher à ton truc. Tu faisais chier pour craft des tremplins qui ne servaient à rien. L'enfer, quoi. Faire ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est que t'as tes usines qui sont en plein milieu de rien. T'as rien autour. C'est très drôle, ça. T'es dans le désert et puis c'est marre. Et pourtant, c'est le starter. C'est-à-dire que je suis à l'endroit où il y a justement le cuivre, le fer et le calcaire. Les fameuses trois ressources de base. Tu vois un peu tout ce que tu peux vérifier. Oh putain, les geysers, le pétrole brut, le charbon. Oh, t'as dit... L'uranium. Voyons voir s'il y a de l'uranium dans le coin. Ah oui, j'ai le quartz ici. C'est rigolo. La réponse est non. Tu n'en as pas. Par contre, t'as pas beaucoup de pompes, hein. Une, deux, trois. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que tes pompes, elles faut. Et en plus, sache qu'une pompe pareille, c'est comme pour le charbon. C'est pour ça que je voulais te montrer aussi ce Kraken là. C'est comme pour le charbon, il faut le placer convenablement. Avec des distances qui sont nickel. Avec des torsions de tubes qui sont nickel. Il faut que tout soit nickel et bien. Bien au, à la même hauteur. La pompe à eau, en fait, tu rigoles. Il faut tellement pas rigoler quand tu la poses. Parce que vu que le jeu calcule un reflux de liquide, bah ça te fout dedans, ouais, en fait. Bah là, toi, par exemple, quand tu la mets un tuyau un peu plus haut que l'autre, au moment où il fait sa bifurcation, bah très bien, mais du coup, il a un reflux. Alors que si t'as pris à peu près, tu les as mis sur la même hauteur, genre ça monte pour arriver jusqu'à ton intersection, ça se divise avec des segments qui sont égaux, t'auras moins de reflux. D'accord. Alors, je t'ai trouvé du de l'uranium, pas long. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse toujours pas. Quand je vois tes coffres, tes... Oh la vache. Ma légion de boîtes, là. Ouais, et par contre, ce qui m'éclate, c'est que tu n'utilises que les... Toujours. Et ça, c'est sur toutes les games. Que les... Les containers normaux, de base. Non. Ah, je vois très peu d'industriels. Hein. Bah en si, fait... tu regardes sur la justement la zone qui était censée être le Kraken du futur. Celle qui est en face de l'ascenseur orbital. Ce ne sont que des doubles.
offline player. Oh, il y a un mec AFK sur, sur la plateforme de chargement. Oh, c'est possible. Hein. Et là, je vais aller voir la poudrière. Je pense que tout est à l'arrêt. Oh là là, ça a l'air. Alors, je prends le train super rapide. Bah, oh, allez. Elle est stylée, la poudrière. La poudrière, quand t'arrives, tu fais... Oh, le bordel. C'est trop bien, la poudrière. Je sais pas comment t'y aller, en fait. Ah, c'est à pied. Ah, tu remontes les tapis jusqu'à la poudrière. Il y a pas d'accès, en fait. C'est la zone à munitions, tu sais, c'est secret et tout. C'est défense. Ah ouais, et c'est tellement défense que t'as des... Comment ça s'appelle? Des bestioles, des cochons en défense aussi. Non, c'est même pas ça. Des... Oh putain, ton... Ouais, j'ai beaucoup aimé cette partie, ce starter même, cette zone et tout. Mais je crois que t'as pas le même starter que maintenant, en fait. Le starter est totalement différent. Alors, si, c'est le starter désert, hein. C'est, en tout cas, c'est le premier starter du désert. Wow, quand la zone est sortie, j'ai joué dessus et t'es arrivé ici, en fait. Dans la zone où t'as vu le Kraken, le rebord de flotte et tout. Alors attends, je sais pas si c'est bon. Merde. J'ai pris le tube. Alors je sais qu'il y a un escalier quelque part, il est là. Ah, tu peux même faire demi-tour dans le tube, c'est trop fort. Oui. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, comme ça aussi tu peux t'en servir pour ralentir. Pour éviter de tomber, en fait. Tu appuies sur la touche pour faire demi-tour, ça te fait ralentir aussi. Ah ouais, putain, ah ouais, la poudrière aussi, elle est vieille. Hein. On est encore sur une époque où, pareil, là, en fait, toutes les toitures, comme tu peux voir, il n'y a pas de toiture. En fait, c'est des rampes. C'est des rampes empilées les unes sur les autres. Je suis en hauteur, je suis sur la corniche de sécurité qui permet de regarder les machines tourner. Ah oui, ah putain, pour expliquer à YouTube, la partie est tellement vieille que non seulement il n'y a pas de toiture, mais il n'y a pas d'éclairage. Il n'y avait pas dans le jeu d'éclairage. Et en fait, je trouve que cette poudrière est un mini Kraken que je trouve beaucoup trop cool. Voilà. Et regarde les M10 là-bas, là. C'est des conteneurs industriels, là, en face de moi, là. Tout bon. Ouais. Voilà. Et j'adore faire ça. J'adore faire des usines avec des tapis qui courent sur les murs, des trucs, des machins. Moi, je trouve ça stylé quand ça court sur les murs. Ouais, et en fait, cette usine, si le sol n'est pas droit, c'est parce qu'en fait, elle est construite à chaque fois plus ou moins au ras du sol. Comme tu peux voir, on voit les gisements qui dépassent du sol. Ouais. Qu'après, ça m'est passé, après, je suis parti sur des concepts un peu plus comme ça. Hein. En fait, on s'enfonce dans le sol pour aller chercher le gisement. Mm-hmm. Voilà. Mais ça te permet d'avoir, là, par exemple, la petite rambarde décorative qui te permet de dire, regarde, il y a un joli caillou ici. En fait, bah, c'est joli. Hein. C'était joli avant que je foute du béton partout là. Voilà. Ah, très sympa. Et donc là, on est encore à une époque pour expliquer à ton tube où il fallait que t'aies le pistolet à couleur et que je pistole aux couleurs strictement toutes les dalles et plafonds que t'as vu. Moi j'aime bien le vert comme ça. Ouais, c'est du rouge. J'en ai rien à foutre! Mais tu sais que c'est du rouge. Votre monde il est moche! Il change pas! Mais tu sais que c'est du rouge. Je sais que c'est du rouge, mais moi tu vois, je vous emmerde parce que même quand je suis fatigué, bah les couleurs elles changent tout le temps. Oh, tu sais ce qu'il faudrait que je fasse presque. Là maintenant que je suis en train d'essayer de penser avec mon cerveau. En fait c'est dans la vidéo, regarder tout ce qui peut nous intéresser en termes de production, comme ça on pourrait aller le chercher. C'est genre à la fin de la vidéo tu vas voir tous les trucs, comme ça on sait. Parce que je sais même pas s'il y a un wiki... Si, il y a un wiki Satisfactory. Ah si, il y a un wiki. Oui, en même temps, oui, c'est vrai que je pose une question. Ah si, il y a un hypertube pour aller au... Oui, il y a un hypertube aussi, en fait, pour y aller à... Attends, t'es parti. Oui, ah ouais, bah c'est l'hypertube que j'ai pris, oui. Ouais, ouais, il y a un hypertube, ouais, mais moi je sais pas. Bon, on me le dit pas, je sais pas. C'est pas ta game. Par contre, j'ai tellement envie de prendre le train. Je vais prendre le train. C'est décidé. Eh bien, moi je vais te laisser là, je vais aller manger. Par contre, on est sérieux qu'il y a un hypertube qui passe dans la pierre. Et pan, on est mort. Qu'est-ce qui passe dans la pierre? Bah il y a un gros caillou, l'hypertube il est passé en plein dans le caillou. Quoi? Ah t'as pas pris le... Ah oui pareil. Ah bah tu vois ça par exemple. Ça s'appelle les grosses mises à jour, c'est-à-dire qu'avant ce caillou n'existait pas. Tu le vois pas là le caillou? Si je le vois, en fait je vois même le tapis de caoutchouc je crois qui passe à travers. Ouais c'est ça. Je suis à la gare, je vois le tapis de caoutchouc qui passe à travers. Et bah ça s'appelle un ajout.
C'est concept. Voilà. Et cet ajout ne sert strictement à rien. Juste décoratif. Ouais, peut-être habiller le décor, quoi. Oui, c'est décoratif. Parce qu'il y a de mémoire, il y avait déjà un caillou là, puisque je vois que mon tapis est surmonté, mais il devait pas être aussi large. Il a été élargi. Ouais. Voilà. Eh ben, ouais. Eh bien, ouais, franchement, ouais. Bon, allez, moi, je te laisse. Je quitte la partie. Très sympa, la partie. Eh, grave cool. Moi, j'avoue, j'ai adoré faire ça pendant mon confinement, là. Ouais, puis alors, mon train sur la dune, hein, c'était vraiment... Pareil, hein, quand j'ai fait découvrir à tout le monde qu'on pouvait en fait mettre les voies ferrées bien droites sur les dalles de béton, ils ont fait non. J'ai fait si. Ils ont fait non, j'aurais dit si. Mais c'est pas possible. J'ai dit si. Voilà. Ouais, ça c'est une technique pour me retenir. Allez, j'y vais, tchuss. Mais non, vas-y. Et en fait, là, ils m'ont dit non. Des bisous, bonne soirée. Pas bonne soirée. Oh merde. Allez, bon. Allez, bonne nuit, hein. Bonne nuit, allez, il faudrait. Tu sais qu'il faudrait. Voilà. Et donc voilà ton tube. Le petit bout de game qui vaut malheureusement plus grand chose puisqu'il a été intégralement cassé. Ce qui est un peu dommage. Ouais, il y a la partie à lui aussi que je. Bon, je crois pas grand intérêt. J'aimerais juste voir l'usine pétrole. Parce que elle avait de la gueule. Mais en même temps, ah, quoique non, non, ça sert à rien. J'allais dire, ouais, autant, ah, bah tiens, ça, un caillou qui n'existait pas avant. Voilà, elle est stylée. Cratère noir. Non, du canyon noir. C'est stylé. N'est-ce pas ton tube? J'adorais faire ça, c'était trop drôle. Oui, parce qu'avant il n'y avait pas non plus les prises murales d'hypertube. Bah non. Sinon ça aurait été trop bien ton tube. Et voilà. On tourne avec ça. Que j'ai du coup réinstallé dans l'autre partie solo suivante où je suis au bout de ce machin là-bas. Ah oui, d'accord, ils ont tout fusionné, donc nous on est juste là-haut. Ah. C'est marrant comment on n'est pas loin de à chaque fois des starters les uns des autres quoi. Donc nous là-haut, c'est là où on démarre en mode Valhalla. Et au bout de ce canyon, là de l'autre côté, c'est le démarrage. Un autre type de départ, je sais plus lequel. C'est pas le premier. C'est l'autre. Oh, puisque je vous en ai cité trois là. Il y a les herbes sauvages, là, les herbes hautes, machin. Le désert. Celui du Valhalla, là, et le dernier sur la liste, il est au bout de ce canyon. C'est très rigolo. En fait, la carte a l'air immense, mais en fait, elle est toute petite. Pourquoi M en carte, ça marche plus, hein. Parce que c'est W maintenant, super, quel plaisir. Et la carte n'est pas si grande que ça, c'est très très drôle. Bon bah... Des bisous YouTube. À la prochaine. Ciao.